Mes chers camarades, bien le bonsoir, bien le bonjour que vous nous regardiez ici en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube ou même en podcast parce que Nota Bene est absolument partout. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Jean Soula qui est docteur en archéologie, spécialiste des objets métalliques et co-président du programme d'archéologie de la piraterie, tout en ayant passé sa thèse sur le mobilier mérovingien dans le sud-est de l'Angleterre. Donc on voit ça, ça va assez large. Il est l'auteur d'Archéologie de la piraterie des 17e et 18e siècles, étude de la vie quotidienne des flibustiers de la mer des Caraïbes à l'océan Indien, qui est sorti en 2019 aux éditions Décitres. Et puis il a sorti aussi ce bouquin, hein, 1702 Speaker, dont on va reparler tout à l'heure, puisque c'est voilà, histoire et archéologie d'un navire pirate coulé à l'île Maurice. Vous allez le voir, c'est particulièrement intéressant. Et d'ailleurs, on a commencé à écrire des scripts avec Jean qui vont donner des épisodes sur Nota Bene, qu'est-ce qu'elle est pas belle la vie. Jean, bien le bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est un plaisir, merci de l'invitation. Bah écoute, ravi de t'avoir ici avec nous pour parler ce soir des pirates, un thème qui l'est bien, qui fédère pas mal les gens. On est d'accord. T'es d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu penses que pourquoi les pirates attirent les gens ? C'est une bonne question. Dans la culture populaire aujourd'hui, c'est quand même extrêmement présent. On a nos enfants, enfin moi j'ai deux enfants qui se déguisent ou qui se déguisaient en pirates. On est entouré d'objets de fiction, de séries, dessins animés, bandes dessinées, etc. autour de la piraterie. Et c'est vrai que c'est des personnages qui fascinent. On n'imagine pas toujours que ce sont de véritables acteurs de l'histoire, l'histoire européenne et de la colonisation européenne du côté Asie et côté Amérique, mais ils ont joué un rôle assez important. Certains d'ailleurs d'entre eux sont devenus presque des personnages historiques avec un rôle extrêmement portant sur différents événements de la vie quotidienne et de cette période qui est l'âge d'or de la piraterie. Je pense qu'on va y revenir. Donc on est en fait entouré, hein, presque comme un peu les comics books ou d'autres phénomènes d'aujourd'hui, des pirates depuis un moment. Et c'est vrai que souvent on est dans la caricature. Alors évidemment, on va aussi y revenir ce soir. On est dans la caricature à travers différents caractéristiques autour du pirate, autour de la vie du pirate, et je pense que c'est ça aussi qui fascine, le côté caricatural du personnage, mais aussi l'aventurier, l'explorateur, et évidemment la fameuse recherche du trésor qui a existé ou pas, mais qui continue à fasciner. Du trésor et de la liberté aussi. Et de la liberté, oui, puisque là on rentre tout de suite dans le côté social. Sociétal du pirate, hein, qui fuit une vie qui l'a finalement malmené et qui décide ou parfois dont il ne se décide pas d'ailleurs en fonction du contexte de fuir et ainsi de voguer sur différents océans pour découvrir d'autres communautés, d'autres paysages inconnus pour lui. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a à peu près une heure et demie sur ce fil des pirates et aussi sur tes recherches que tu as menées il n'y a pas très très longtemps, pas très loin de Madagascar. Tu nous diras un petit peu ce que tu as découvert là-bas et quelles conclusions on peut en tirer, ou s'il est trop tôt pour en tirer des conclusions d'ailleurs. J'aimerais te poser une petite question avant de rentrer dans ce sujet. C'est pourquoi est-ce que, ou comment, toi, tu t'es retrouvé à travailler sur les pirates? On l'a vu, tu étais plutôt intéressé par les Mérovingiens, fut un temps. Comment est-ce qu'on switch des Mérovingiens aux pirates? Alors, on est un archéologue, on peut être multitâche. En fait, c'est lié déjà à un imaginaire, à tout ce qu'on vient d'évoquer. Hein. Donc, en tant que gamin, on est tous bercés par les pirates, par ses aventures, etc. Moi, ça a toujours fasciné. L'histoire de ces forbans, évidemment, et depuis petit, l'archéologie. Moi, c'est une vocation, hein, que j'ai depuis l'enfance, qui s'est vraiment décidée en quatrième. D'abord, j'aurais aimé travailler plutôt sur les dinosaures, comme beaucoup d'enfants. Et puis, mais les dinosaures, la paléontologie n'est pas très loin. Voilà, mais pas très loin de l'archéologie. Et puis je me suis mis à vraiment m'intéresser à cette archéologie globale. Je me suis intéressé dans un premier temps vraiment
à des périodes mal connues. Quand il a fallu se décider pour arriver, quand j'ai passé mon bac, hein, il a fallu se décider vraiment sur une période un peu chronologique en archéologie, en deuxième année hein, de fac, Université Paul Valéry de Montpellier, où j'ai passé ma licence. Il a fallu vraiment se décider sur une période chronologique, et la période chronologique était une des moins connues, en tout cas à l'époque. Je suis pas très vieux, mais c'est toujours un peu le cas. C'est la période dite des âges obscurs, l'époque du haut Moyen Âge, et qu'on appelle en France pour la première partie l'époque mérovingienne. Et tout de suite, cet attrait pour les objets, vraiment comprendre le quotidien de cette société. Donc j'ai commencé à travailler sur le mérovingien. Je suis monté à Paris pour mon master. Paris 1, Panthéon-Sorbonne, avec Patrick Perrin, ancien directeur de mémoire, Master 1, Master 2, qui est ancien directeur du Musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Et puis, ensuite, j'ai fait un doctorat sur mérovingien, et je m'intéressais aussi à mes racines, parce que moi, je suis quand même originaire du Nord-Pas-de-Calais et de la région lilloise. Et en fait, les liens avec l'Angleterre étaient assez forts. Donc on y vient, on commence à dessiner un petit peu le sujet de la thèse. Et l'intérêt, grâce aux fouilles auxquelles j'ai pu participer en archéologie programmée, hein, quand on est étudiant en archéologie, on a la chance de faire des petites fouilles l'été qui sont assez formatrices. J'ai beaucoup travaillé sur les sépultures, hein, les cimetières, notamment de Normandie ou de la moitié nord de la France. Et ça a un peu forgé mon envie de travailler sur ces objets mérovingiens. Mais le lien avec l'Angleterre était assez présent, légende arthurienne, etc., tout ce qu'on connaît pour le 5e, 7e siècle. Pareil, le lien avec l'Angleterre était extrêmement intéressant. Et là, je me suis vraiment décidé à travailler sur le littoral. Donc le littoral de la Normandie, mes parents sont originaires du Pas-de-Calais. J'ai mes sœurs qui sont nées à Saint-Lô en Normandie, donc le lien était tout tracé. Mes parents ont vécu à Caen, et puis au final, moi j'ai vécu à Lille, donc on a dressé un petit peu ce sujet presque lié à ma vie personnelle, et c'était de travailler sur les tombes mérovingiennes qui livraient des objets venant de l'Angleterre. Donc ça, c'était extrêmement extrêmement fort. C'était un des premiers sujets sur cette thématique-là. Et puis, en thèse, j'ai fait l'inverse. J'ai travaillé sur les tombes mérovingiennes qui étaient dans le sud-est de l'Angleterre, donc implantées finalement au milieu des tombes des nécropoles anglo-saxonnes du, pareil, 5e, 8e siècle. Et là, c'était pour essayer de mettre en évidence la culture matérielle mérovingienne dans ces sépultures-là. Donc ça, c'est la thèse, soutenance en décembre 2015. J'avais déjà été embauché au laboratoire Landarc, qui est un laboratoire d'archéologie privé qui travaille pour le public, notamment pour l'INRAP et pour les collectivités territoriales, qui est basé à Fleurance dans le Gers. J'ai développé une base de recherche donc à côté de Fontainebleau, à Samois-sur-Seine, ou aux Samoisiens qui nous écoutent peut-être. Et puis c'est développer l'archéologie et l'étude des contextes préventifs. Et dans ces contextes préventifs, je ne travaillais pas que sur le mérovingien, évidemment, mais aussi sur la période moderne, hein, 16e, 17e, 18e siècle. Et les lots qu'il fallait étudier, qu'on continue à étudier aujourd'hui, le mérovingien devient de plus en plus rare, malheureusement, parce que c'est pas toujours simple de mettre en évidence des grandes nécropoles mérovingiennes, pareil pour les habitats ruraux. Donc, il a fallu se former un petit peu sur des périodes plus récentes, le second Moyen-Âge, hein, on va dire de l'an 1000 jusqu'au 14e, 15e siècle, et puis ensuite, cette période moderne, voire contemporaine. Et moi, ce qui m'intéressait était toujours là, c'est-à-dire les pirates, le lien avec l'Amérique, les colonies d'Amérique, le Canada, le Québec, les Antilles et puis aussi la Guyane. Donc on a mis en place avec des collègues travaillant outre-Atlantique, des collègues francophones, notamment au Canada, au Québec et puis aussi aux Antilles. Je leur passe le bonjour évidemment, parce que je continue d'ailleurs toujours à travailler avec eux sur les sujets piraterie. On a développé un programme de recherche sur les objets de la période moderne français qui ont été découverts dans les contextes des Antilles, de Guyane et puis d'Amérique du Nord. Donc ça, pareil, c'était assez novateur. On surfait un petit peu sur la vague d'études des céramiques, mais nous, on travaille pas sur les céramiques. Moi, je suis spécialiste des objets métalliques, notamment, mais aussi des objets manufacturés en os, etc. Donc tout ce qui est objet du quotidien sorti de la vaisselle. Et là, on a pu dresser un certain nombre d'éléments et on s'est rendu compte qu'on avait des contextes pirates qui étaient extrêmement intéressants, notamment l'épave du Queen Anne's Revenge,
qui est le bateau de l'épave, bateau de Barbe Noire, hein, coulé en 1718 dans la baie de Beaufort au large de la Caroline du Nord. Et sur ce, pourquoi cette épave est extrêmement intéressante pour la problématique que j'évoquais, les connexions transatlantiques et la culture matérielle française dans les colonies d'Amérique, c'est que ce bateau à la base est fabriqué à Nantes, hein, il s'appelle la Concorde. Il a été pris par les pirates de Barbe Noire au large de la Martinique en 1716, je crois, sans me tromper, et il a été découvert par les archéologues en 1996-97 et déclaré comme étant le fameux Queen Anne's Revenge que plusieurs années plus tard, lié à une grande polémique d'identification, peu importe. Et ce qui était intéressant avec cette épave, c'est qu'on a trouvé beaucoup d'objets français parmi la cargaison, les objets du quotidien, et notamment des objets liés à la chirurgie, puisque le chirurgien a été gardé en fait de l'équipage de Barbe Noire, a été, on rentre dans le sujet là, ça y est, cet équipage qui a été pris par Barbe Noire, l'équipage français, ils ont conservé le chirurgien à bord et notamment toute sa mallette d'ustensiles qui était frappée de marques de fabrique venant de Rouen et de Paris. Et là tout de suite, le lien était tout trouvé, le lien entre les connexions transatlantiques, l'étude de la période moderne en France. Donc on s'est rapproché, moi et mes collègues, qu'on a en même temps consolidé tout ça avec une association en 2019, l'association Archéologie de la Piraterie, qui est devenue un programme de recherche. On a contacté évidemment les collègues américains qui étaient tout à fait friands de justement travailler avec des collègues français qui connaissaient, qui maîtrisaient cette culture matérielle française. En rigolant, on voyait dans les publications qu'ils ne maîtrisaient pas complètement le sujet des sites français, les sites archéologiques français, on peut avoir des fautes d'orthographe. Ils écrivaient par exemple Montpellier avec un seul L parce qu'il y a la ville de Montpellier aux États-Unis, donc c'était assez drôle. Alors qu'évidemment, ils faisaient référence à la ville de Montpellier en France, les épaves de la Natière, etc. Mais bon, très peu d'informations. Et puis on a pu du coup beaucoup échanger avec ces collègues-là et puis écrire des articles en commun. Et la collaboration s'est développée finalement presque d'abord avec les collègues américains qui étaient friands de ce sujet et qui sont très en avance sur cette archéologie de la piraterie. Pour preuve, voilà, je le place, hein, deux bouquins qui ont été publiés en 2006 pour celui-ci et en 2016 pour celui-là, sur Archaeology of Piracy, et nous, ça nous a énormément, il faut le dire, inspiré pour la création de notre programme de recherche et tout le travail qui s'en est suivi. D'ailleurs, on a la chance de participer avec plusieurs collègues au volume 3, qui sera publié l'année prochaine, toujours publié au University Press of Florida, donc quelque chose de relativement sérieux. Et c'est vrai que cette archéologie de la piraterie, on va y revenir, souffre un petit peu d'un côté un peu mal aimé de cette thématique de recherche en France, liée à plein de problèmes aussi de chasseurs de trésors, de pillages, etc. On va y revenir. Mais voilà, donc le parcours, en fait, c'est vraiment développé. Il y a eu deux rencontres très importantes. Déjà, pouvoir travailler en Guyane sur le site de Loyola, qui a permis aussi la rencontre avec Alexandre Poulot, mon collègue de l'INRAP, que je salue, qui doit nous écouter. Il y a un petit décalage horaire, mais il doit être présent, et avec qui je partage beaucoup de choses au niveau de l'association, mais aussi au niveau amical. Hein, on est grands copains, on a monté la dernière expédition à Madagascar ensemble. Et puis on a beaucoup échangé, puis aussi à Delphine Bonneau, et puis toute l'équipe de l'Université Laval de Québec, avec qui aussi on a pu beaucoup travailler. J'ai été invité 3 semaines pour travailler et exposer un petit peu mes recherches sur la culture matérielle française aux étudiants québécois. Et là, ça a été extrêmement fort aussi, beaucoup d'échanges. Et tout ça, c'était en 2016-2017. Tout ça s'est lancé ensuite et a émergé dans mon esprit pour créer ce programme de recherche en 2019, lié à un voyage quand même personnel à l'île Maurice, ça aide. On va attaquer un peu dans le contexte historique. C'est vrai que quand on parle de la piraterie, les pirates, bon, quand on évoque la piraterie, on pense tout de suite à ces fameux pirates des Caraïbes, quoi. En gros, c'est ces époques-là, hein, voilà, 17e siècle. Et pourtant, les pirates, ça existe depuis bien avant ça. Oui. Bah, on parle souvent de l'âge d'or de la piraterie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'âge d'or de la piraterie? C'est une période qui s'écoule entre 1650, donc de la deuxième moitié du XVIIe siècle, et les années 1730, hein, donc un peu avant le milieu du XVIIIe siècle. Donc là, c'est la période la plus connue, la plus traitée aussi dans les œuvres de fiction, dans les récits historiques, hein,
que sont Hobbes Melun, Capitaine Johnson, etc., les récits quasi contemporains finalement de cette période. Donc c'est une période aussi qui fait rêver, parce que c'est là où on a tous ces grands navires, ces pirates les plus connus, hein, donc on est vraiment dans quelque chose qui est le plus relaté. Mais effectivement, on a des pirates depuis l'époque gréco-romaine, notamment les épisodes avec le général Pompée, etc. Donc les pirates existent depuis toujours finalement, et ils continuent à exister évidemment autour du littoral africain, notamment Afrique de l'Est, etc., où c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, très, très souvent, les historiens travaillent ensemble, que ce soit les historiens de la période moderne, de la période médiévale aussi, de la période romaine et également de la période contemporaine, parce que les phénomènes peuvent se croiser et être extrêmement intéressants. Donc, on a, bien sûr, et beaucoup de sources sur ces pirates de la période plus ancienne, on va dire. C'est pas pour autant qu'on les néglige. Moi, ce qui m'intéresse personnellement et mes collègues, c'est l'âge d'or de la piraterie. Donc, on s'intéresse vraiment à cette période qui est le 17e, 18e siècle. Et alors, qu'est-ce qui a permis justement à cet âge d'émerger? Pourquoi on parle d'âge d'or? En fait, déjà, il faut faire un petit point historique. On va pas trop s'étendre là-dessus, mais on a une période très complexe, hein, on a dit, entre 1650 et 1730, c'est-à-dire que les royaumes, notamment le royaume de France, est en guerre constamment, hein, sous Louis XIV, avec à la fois l'Espagne, avec la coalition anglo-allemande, etc. On a plusieurs guerres qui se succèdent, et au milieu de tout ça, donc les guerres, les ligues d'Augsbourg, ligues de succession d'Espagne, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais on a des phénomènes déjà quasiment mondiaux, en Europe, qui se développent au niveau mondial, puisque pourquoi ? On est en train de créer une sorte d'économie de mondialisation à cette période-là. Qu'est-ce qui se passe ? Ce sont l'installation des royaumes d'Europe dans des continents, et notamment, on va parler pour l'instant des Caraïbes, dans des colonies d'Amérique. Donc chaque royaume, Portugal, Espagne, France, etc., Angleterre, Pays-Bas, Allemagne, décide à un moment donné de prendre des territoires, hein, avec évidemment le commerce triangulaire, malheureusement, qui est au cœur de tous ces phénomènes politico-économiques. Et du coup, on envoie finalement, ces pays envoient des navires chargés de cargaison, dans la caricature évidemment, c'est juste, mais c'est pas uniquement ça, chargés de cargaison de coffres d'or, de marchandises exotiques, etc., et d'esclaves, entre l'Europe et évidemment l'espace caribéen, mais également aussi la côte est des États-Unis, enfin la côte est nord-américaine, etc. Évidemment le Mexique, le Nicaragua, enfin on a pas mal de pays qui sont bordés, le Pérou, etc. Donc les pays développent cette installation coloniale, en fait, tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe? On a à ce moment-là des rebelles, c'est-à-dire des marins, hein, puisque ce sont essentiellement des marins de base, qui ne veulent plus rentrer dans ce cadre qui est dicté au cours de la deuxième moitié du XVIIe siècle, et donc qui se rebiffent, tout simplement, et qui décident de monter une sorte de coalition plus ou moins organisée au cours de la deuxième moitié du XVIIe siècle, qu'on appelle les Frères de la Côte, hein, mais il n'y a pas de fondement purement simplement historique, hein, c'est encore une fois la culture populaire qui évoque le plus finalement ces Frères de la Côte. Il n'empêche qu'ils ont existé, ils sont installés dans les petites îles caribéennes, dans des zones de relâche, des zones de pause, et c'est là où apparaît finalement les Boucanis. Ils sont en fait, on va peut-être y revenir aussi, pirates, il y a différentes terminologies, les pirates, flibustiers, boucaniers, etc. Les boucaniers sont un peu les premiers pirates, pour cet âge d'or de la piraterie, on le précise, et qui sont en fait des gens un peu à part, en marge de la société, et qui décident de vivre un peu en communauté, dans des îles plus ou moins habitées, et notamment, ce sont des chasseurs. Ce sont des chasseurs, ils ont des chiens, on a des représentations au cours du XVIIe siècle de ces boucaniers, et souvent ils sont présentés d'ailleurs avec des tentes, des campements, leurs chiens à côté, et puis plus ou moins bien rasés, enfin on est un peu dans le reliquat de la société du XVIIe siècle, et en fait pourquoi on les appelle boucaniers? Parce que c'est lié à leur méthode de cuisson. De leur gibier qu'ils ont chassé sur ces îles,
Alors ça peut être effectivement du cochon sauvage, ça peut être de la tortue, etc., parce que les dents réellement ou pas dans ces îles. Et en fait, c'est une façon, le boucan c'est une grille, et c'est une façon de fumer la viande, et on les a appelés les boucaniers dans l'histoire contemporaine, puis surtout l'histoire populaire. Après viennent les flibustiers. Ces flibustiers qui sont des pirates typiques de cette période qui est le XVIIe siècle, la fin du XVIIe siècle, où là on commence à avoir ce pirate qui navigue vraiment, qui devient plus ou moins autonome, qui prend des bateaux, mais qui aime bien quand même une sorte de sédentarisation. Puisque ce qu'il faut savoir au cours de cette deuxième moitié du XVIIe siècle, c'est que les pouvoirs français, espagnols ou anglais, en fait, font appel à des sortes de mercenaires. Des mercenaires, des séflibustiers, et on le voit très bien sur l'île de la Tortue, cette île de la Tortue qui est une île au nord de d'Haïti, qui est extrêmement intéressante à ce niveau-là, puisque dans les années 1660, on a le pouvoir français qui s'installe sur cette île et qui décide de travailler avec plein de guillemets, avec ces flibustiers français ou anglais dans différentes parties de l'île et de s'en servir, évidemment, au profit du royaume de France. Donc là, on a une utilité. Ça ne veut pas dire qu'on a une grande ville pirate, à la pirate des Caraïbes, etc. On pourra en reparler, mais en tout cas, on a cette présence qui est attestée, peut-être dans des campements éphémères. Ils partent avec leur propre navire. Et là, on commence à développer, dans les années 1680, finalement, cette véritable période d'âge d'or. Pourquoi ? Parce que ce sont ces flibustiers qui vont commencer à prendre, si vous me suivez toujours, les navires qui font la navette en autour des îles caribéennes qui font la navette entre l'Europe et la mer des Caraïbes. Et puis ensuite, troisième phase, se développent les pirates comme on les connaît, qui sont par équipage, parfois par, comme on dit, ils naviguent de concert, c'est-à-dire à plusieurs navires différents, et puis ils ont des buts communs, donc ça se passe plus ou moins bien, etc. Il y a un code pirate qui est édifié, on connaît celui de Bartholomew Roberts pour le début du XVIIIe siècle, et puis on a ces grands noms qui émergent, alors qui sont aussi un peu légendarisés par une personnalité qui est le capitaine Johnson, alias probablement Daniel Defoe, qui est l'auteur de Robinson Crusoe, et qui est édité pour la première fois en 1724. On est encore dans cet âge d'or de la piraterie. Il y aura plusieurs éditions en 26, en 36, etc. Et qui mondialise le phénomène pirate par sa description, plus ou moins juste, plus ou moins exagérée, puisque, évidemment, un seul écrivain n'a pas pu suivre partout, tous les pirates entre la deuxième moitié du XVIIe et le début du XVIIIe siècle, et surtout entre l'océan Indien et les Caraïbes, puisqu'on en parlera. Ces pirates, à un moment donné, de l'espace caribéen, ont fui les Caraïbes pour arriver dans l'océan Indien et développer les mêmes stratagèmes pour essayer de prendre des navires sur la route des Indes. Donc, ce Daniel Defoe, capitaine Johnson, vulgarise, en fait, entre guillemets, cette piraterie avec des gravures, donc c'est-à-dire qu'à l'époque, on a un visuel, on a ces drapeaux pirates qui apparaissent, etc., etc., on a cette stature, ce visage de barbe noire qui est mis en avant, Jack Rackham, etc., on a ces grands noms qui commencent à émerger, qui fascinent à l'époque déjà, et qui continueront à les fasciner, évidemment, jusqu'à aujourd'hui. Et alors, justement, donc tu nous parles de... des Caraïbes, et tu nous évoques à demi-mot l'océan Indien. Est-ce que en parallèle des Caraïbes, on a des pirates qui commencent à se développer dans l'océan Indien ? Est-ce que c'est une phase de transition ? Est-ce que ça a à voir avec la fin de l'âge d'or ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, on a en fait les deux sphères géographiques qui s'animent plus ou moins en même temps avec ce phénomène de la piraterie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que les pirates quittent les Caraïbes à la fin du XVIIe siècle pour arriver dans l'océan Indien. Il ne se passe plus rien dans les Caraïbes et tout se passe dans l'océan Indien. Ça ne se passe pas comme ça. C'est beaucoup plus complexe. Mais il n'empêche que oui, nous avons des pirates qui fuient les Caraïbes pour s'intéresser à l'océan Indien parce que c'est moins compliqué pour eux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les royaumes européens qui sont installés dans ces colonies lucratives, puisqu'on est dans une société qui est basé sur, évidemment, l'économie et la rentabilité. Hein, ils font pas ça juste pour avoir de nouvelles terres. Hein, l'objectif, c'est quand même de faire de la monnaie. Et d'ailleurs,
de nombreuses monnaies sauf frappées là-bas, sur place, que ce soit d'ailleurs au Mexique ou au Pérou. C'est là où on va avoir la naissance de ces fameuses pièces dites pirates, les pièces de 8, les reales, hein, les reales, des pièces de 4 ou de 8 réaux qui sont frappées au Pérou ou au Mexique dans les colonies espagnoles et qui deviendront par la suite et par l'imaginaire collectif, merci Stevenson et son île au trésor en 1883, la fameuse pièce pirate, la pièce de 8 dite pirate, tout ça aussi un peu développé par Oxmelin, hein, dans les années, à la fin du 17e siècle dans son ouvrage sur les aventuriers de l'espace Caraïbe. Se développe du coup en même temps une piraterie dans la Caraïbe et dans l'océan Indien. Parce que en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que les gouvernements, je finis ma phrase, pardon, j'ai bifurqué avec mon histoire de pièces de 8 qui fascine, j'imagine, tout le monde. Ces royaumes européens qui décident d'agir. Et en agissant, qu'est-ce qu'ils font? Ils chassent les pirates. Et ils proposent aussi des amnisties. Et qu'est-ce qui se passe? Certains l'acceptent, d'autres non. La piraterie commence quand même à disparaître au fur et à mesure de l'espace caribéen. Ça se passe dans cet ordre-là, il est vrai, notamment dans les années 1710-1720. Et puis, alors que dans le même temps, dans l'espace de l'océan Indien, il faut voir cet espace de l'océan Indien en gros entre l'île de la Réunion et les Madagascar, là, elle est dans son âge d'or, vraiment, avec le développement de zones de relâche, de zones de bases pirates, tout autour de la côte de Madagascar, la côte est de Madagascar notamment, et puis sur l'île Sainte-Marie, on y reviendra. Et de ce fait, les autorités européennes agiront de la même manière dans les années 1720-1730, c'est-à-dire un peu plus tard, des dizaines d'années plus tard, avec notamment le pouvoir local français sur l'île de la Réunion, qui propose aussi des amnesties à ces pirates, qu'ils vont d'ailleurs accepter. On connaît d'ailleurs une très très bien, puisqu'elle a été redécouverte dans les archives de la Réunion et de Vannes dans le Morbihan, qui nous stipule vraiment les cadres de ces propositions faites aux pirates pour qu'ils arrête ses activités. Donc, c'est extrêmement intéressant. Du coup, c'est vrai que souvent quand on parle pirate, on a plus l'habitude de travailler de notre côté, en tout cas chez Nota Bene, avec des historiens. Qu'est-ce qu'apportent les archéologues à justement la compréhension du phénomène pirate? Déjà, il faut savoir qu'on travaille ensemble. Moi, je ne suis pas spécialiste de l'histoire de la piraterie de l'âge d'or. J'ai sûrement, dans le discours que j'ai donné à l'instant, fait des approximations sur certaines dates, sur certains phénomènes. Bon, moi j'ai une formation d'archéologue, hein, je suis là pour gratter la terre, essayer d'en tirer des informations, des vestiges, pour justement associer cela à des phénomènes historiques qui sont mis en évidence dans les archives. Et ça, c'est extrêmement important. On travaille ensemble. Souvent, on nous oppose, c'est totalement idiot, parce que l'objectif est d'essayer d'en tirer le maximum d'informations. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord. Les archives peuvent amener des éléments que l'archéologie va peut-être contredire sur nos fameux faits, US, unités stratigraphiques, nos objets, etc., nos petits bouts de céramique. Là, tu ne peux pas dire ça dans tes textes, parce que c'est totalement biaisé. Nous, on est avec notre céramique beaucoup plus précis au niveau chronologique, là, là, là. Regarde dans tel bouquin, c'est marqué. Voilà, parce qu'on n'invente pas la poudre, hein, on s'appuie aussi beaucoup sur les travaux, même si on en écrit nous-mêmes. Mais voilà, donc c'est extrêmement intéressant. Qu'est-ce qu'amène l'archéologie? L'archéologie amène, pour ces pirates, déjà deux choses. La compréhension de la vie à bord, extrêmement intéressante et passionnante. On a parlé quand même de pirates, mercenaires, forbans, mutins. On est sur une couche de la société qui est quand même pas joyeuse. Hein. On vit dans des conditions déplorables, comme tous les marins de la période. Il faut sortir du carcan pirate-pirate. Pirate, corsaire, marin, c'est la même chose. C'est tout dans la même galère. Hein. Ça, tu l'as dit dans tes vidéos sur la vie quotidienne. Ils vivent en promiscuité, dans des cales humides. Ils ont quasiment très peu de rations de nourriture et d'eau. Hein. Souvent, ça fait partie des clichés, mais il faut les débunker, souvent, il n'y a aucun navire qui les croise. Ce fameux film d'animation qui est assez sympa, là, les pirates scientifiques,
où on les voit, alors on est au 19e siècle, mais c'est le phénomène, on les voit attendre, et puis il ne se passe rien en fait. Mais souvent, c'est ça aussi la vie de pirate, c'est qu'il ne se passe rien. Évidemment, on a l'impression, parce que ce sont les sources écrites, là, pour le coup, qui sont fautives, mais qui sont réalistes aussi, pour notamment ces 35 pirates évoqués par Capitaine Johnson, alias Daniel Defoe. On parle de prises, de grands bateaux, etc., mais on ne parle jamais de ceux qui ne trouvent rien. Et surtout, des pirates qui sont inconnus. Parce qu'il y a des milliers de pirates, des milliers de capitaines. Là, on peut évoquer Jacques Gasser, qui a écrit son livre sur les pirates et flibustiers français, en sortant des noms qui étaient totalement inconnus, connus dans les archives, mais totalement inconnus du grand public, et qui ont aussi leurs propres histoires et qui sont également passionnantes. On peut aussi évoquer Kevin Porcher, qui est spécialiste de la piraterie des Antilles, en Guadeloupe et en Martinique. Et ses collègues nous amènent des éléments. Mais nous, on va amener un intérêt matériel. C'est-à-dire, on va s'intéresser vraiment presque à l'odeur sur ces ponts, à la sueur qui a écoulé sur les fronts, et évidemment aux objets, sortons de la démagogie, aux objets qui ont entouré ces marins et évidemment ces pirates. Et là, on va avoir une hiérarchisation qui va se mettre en place au niveau des catégories fonctionnelles, c'est-à-dire on va travailler à la fois sur l'armement, l'artillerie, l'armement portatif évidemment, armes blanches, armes à feu, les munitions, donc tout ça c'est le rayon armement. On a aussi le mobilier de bord, les ancres, les chandeliers, les assiettes, la vaisselle, etc. Tout ça est extrêmement intéressant. Et les objets personnels, comment étaient habillés ces pirates? On en parlera peut-être plus tard dans une des vidéos qu'on a travaillé ensemble, mais voilà, Pirates des Caraïbes, c'est un fait. Black Sail, qui est une super série que tout le monde adore, a aussi ses carences historiques et vestimentaires. Quels objets personnels on retrouve sur ces bateaux? On en retrouve pas mal, et notamment des boucles de ceinture, des boucles de chausses, etc. On a des exemples, notamment sur les épaves de la Natière, hein, la Dauphine 1704 et l'amiral Grenot 1749, hein, donc c'est dans la baie de Saint-Malo, deux navires à 50 ans d'écart environ, qui ont percuté le même massif rocheux, et ces deux bateaux étaient des frégates corsaires. Intéressant. Corsaires, pirates, même vie de chien. Hein. Et on a, il me semble, sur une des épaves, trouvé un pistolet encore chargé. C'est extrêmement intéressant. On a aussi connaissance de chaussures en cuir qui sont ouvertes sur la pointe parce qu'elles ne correspondaient pas à la pointure du marin. Donc, pas très sympathique. Vaut mieux avoir une jambe de bois presque, hein, parce que comme condition de travail, les manœuvres à bord, c'est horrible. Imaginez-vous, on n'a plus l'habitude. Hein. Moi, je suis pas du tout marin, en plus, j'ai mal de mer. Mais vivre pendant des années sur ces navires à bord avec des gens qui manquent d'hygiène, qui n'ont plus de vitamines, etc. Donc, bah, l'aspect hygiénique, très intéressant. La présence de peigne, la présence d'un chirurgien à bord avec tout son matériel, on l'a évoqué tout à l'heure pour Barbe Noire. La vaisselle qui est multiculturelle, c'est-à-dire c'est un indice extrêmement intéressant, vous le savez, on adore la céramique, nous archéologues, et on va trouver de la porcelaine chinoise, on va trouver de la céramique venant d'Allemagne ou d'Égypte, etc. Et bien sûr, vous l'attendez tous, les pièces de monnaie. Ah, le trésor pirate. Évidemment, on est spécialiste aussi des pièces de monnaie. Alors, tout ça, hein, vous le savez, les archéologues, ils ont plein de disciplines d'âme particulière. Moi, je travaille sur les objets métalliques, j'ai des collègues qui travaillent sur la numismatique, les pièces de monnaie, d'autres qui sont céramologues, spécialistes des céramiques, spécialistes du verre, les archéozoologues. On trouve aussi des restes d'ossements sur ces épaves. Bref, on va pas faire tout, mais c'est juste pour recadrer, je suis pas spécialiste de tout. Mais ces pièces de monnaie sont extrêmement intéressantes. Est-ce qu'on trouve des coffres pleins d'or sur les épaves pirates? Tu vas peut-être me poser la question. Est-ce qu'on trouve des coffres Eh bien, oui et non. On a un cas de coffre à trésor trouvé sur l'épave du Widagali, coulé en 1717 au large du Massachusetts, en face de Cape Cod, qui a été découvert en 1984 par une équipe américaine. Les investigations archéologiques étaient plus que douteuses. Il n'y a pas eu de rapport et très peu de publications sur le sujet. On ne va pas revenir sur
sur ce travail-là. Il n'empêche que plus de 15 000 pièces en argent et en or ont été découvertes. Et pourquoi ? Eh bien, cela dépend des conditions du naufrage du bateau. Eh oui, parce que j'ai l'impression de faire Jamie. Ah oui, totalement. Avec la petite maquette, j'ai pas de maquette, hein, désolé. En fait, ce qui est intéressant avec ces étapes, c'est que en fonction du nombre et du type d'objet, ça dépend des conditions du naufrage. J'explique, le Ouida Galli a fait naufrage à cause d'une tempête. La grande partie des membres d'équipage, c'est-à-dire près de 300 bonhommes, sont morts, noyés, et le bateau a coulé. Donc les archéologues, quand ils l'ont découvert, il y avait la cargaison complète. Différent du Speaker, coulé en 1702 au large de l'île Maurice, qui a lui coulé, certes, à cause d'une tempête, à 2,5 km de la côte, à l'extérieur du récif, je peux vous en parler, j'y ai plongé, donc ça remue. Apparemment, ils étaient un peu alcoolisés, d'après les archives, pour des pirates logiques. Et en fait, le lendemain, le bateau était tellement lourd qu'il dépassait, en fait, même en coulant. On a 3 mètres de fond. Les navires, imaginez-vous, ça fait plus de 3 mètres de haut, hein, avec les mâts, etc. Et en fait, les pirates, sont revenus le lendemain, en chaloupe, pour récupérer un maximum de cargaison, dont, forcément, le coffre. Il n'empêche que les gredins, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient dû perdre quelques pièces de monnaie dans le plancher, parce qu'on a retrouvé quand même 34 pièces de monnaie. 34 pièces de monnaie venant de 19 pays différents. Ça commence à faire pas mal. On a notamment le Pérou et le Mexique, mais on a la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche, Venise, l'Égypte aussi, on a au Caire, on a dans l'Empire ottoman, etc. Donc voilà ce qu'on amène. Le multiculturalisme, la connaissance d'origine diverse des pirates et d'origine diverse des cargaisons qu'ils avaient à bord, liées évidemment au navire qu'ils pouvaient prendre. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour nous. Et sachez que archéologie de la piraterie, liée aux épaves, bien sûr, mais on n'a que 6, voire 7 épaves découvertes dans le monde qui ont été à la fois authentifiées par les archives et l'histoire et également par l'archéologie. Ça fait quand même pas beaucoup. Et on a 2 navires dans l'espace caribéen, 2 sur la côte est des États-Unis et 2 dans l'océan Indien. Ça fait quand même très peu. Et ça, on est sûr que c'est des épaves pirates parce qu'il y a des pièces de différents pays ou il y a d'autres facteurs qui... Il faut savoir que c'est lié à une recherche archéologique. C'est-à-dire à des archéologues et des historiens qui se sont intéressés à cette épave. Elle n'a pas été... Parfois, elles sont découvertes par hasard, comme c'est le cas de l'île du Speaker dans les années 60. Mais en 1979, c'est une expédition archéologique menée par des Français qui cherchaient ce bateau et qui l'ont trouvé, notamment grâce aux archives hollandaises du début du XVIIIe siècle, qui ont marqué sur une carte et dans les archives le nom du récif que s'est pris le Speaker. Derrière, les historiens et archivistes de l'époque, puisque ce n'étaient pas des archéologues professionnels en 1979, Dixit, Patrick Lisée et Dumas, ont trouvé, parce qu'ils cherchaient ce bateau à cet endroit-là, il y avait un seul naufrage à cet endroit-là pour la période donnée. Donc là, dans ce cas-là, c'est un cas d'école. Pour le Queen Anne's Revenge, je ne suis pas sûr, je ne crois pas qu'ils aient cherché ce navire. C'est des recherches sur la côte qui ont dans un premier temps mis en évidence cette épave et après on s'y est intéressé et puis ça a mis presque 15 ans pour être identifié formellement comme étant le Queen Anne's Revenge. Donc on a des variantes, on a même un cas de navire si je me trompe pas, est le navire à Port Royal, donc à la Jamaïque, qui avait été identifié comme étant un navire marchand dans les années 60-70 par l'archéologue Marx, archéologue américain, et qui ont été authentifiés dans les années 80 d'abord lors des fouilles sous-marines de Port-Royal, du quartier qui a été immergé, puis dans les années 2007-2008, si je ne veux pas dire de bêtises, j'ai plus les dates en tête exactes, comme étant un navire pirate formel, je crois que c'est le navire de Bartholomew Roberts, le Great Ranger. Coulé en 1721 ou 22, enfin, j'ai pas les dates exactes en tête, mais voilà. Donc là aussi, historiographie du sujet. On trouve un bateau
Et puis, au bout de presque 30 ou 40 ans, on arrive à l'authentifier comme étant pirate. Donc, c'est assez complexe. Hein. Pourquoi ? Parce que tout. Pourquoi ? Il faut expliquer. Les navires pirates, ce sont des navires. Ce sont des navires, ce sont des frégates, des brigantins, des navires parfois de guerre, des navires marchands qui ont été récupérés, etc. Il n'y a pas de navires pirates. Ce sont des navires qui ont été pris, récupérés. Souvent, ce sont des frégates. Et d'ailleurs, souvent des frégates françaises. Il n'y a pas de message. Et souvent prise par des pirates anglais. et de ce fait, au niveau du type de navire, ça ressemble à n'importe quel bateau. Donc on peut pas l'authentifier comme étant un navire pirate. C'est la personnalité du pirate, l'histoire du pirate. Donc ce sont pour les six connus des pirates célèbres. On a Barbe Noire, Black Sam Bellamy, Bartholomew Roberts, William Kidd pour l'espace caribéen. Et pour l'océan Indien, Christopher Conant et John Bowen. Donc, ce sont six pirates qui sont présents dans les livres, les deux volumes. Bon, là, c'est évidemment une édition 90, dans les deux volumes de Capitaine Charles Johnson. Donc, il n'y a pas de hasard. Les collègues aussi, à l'époque, ont voulu travailler sur ces pirates parce que c'était associé à des pirates célèbres. Et puis, c'est beaucoup plus facile ensuite d'obtenir des financements quand on travaille sur un navire venant de Barbe Noire plutôt que le navire du pirate inconnu français, voilà. Donc, on est quand même aiguillé par la recherche, les archives évidemment. Et il faut rappeler, c'est un travail d'équipe de longue haleine. Ça sert à rien de se précipiter. Il y a des collègues américains notamment que je ne citerai pas, qui sont très décriés, qui se précipitaient un petit peu, qui ont voulu faire du sensationnel avec des documentaires, etc. Nous aussi, on a fait du documentaire. Mais derrière, on produit des rapports de fouilles, on communique sur les informations et on prend le temps de les analyser. Bon, certains collègues américains, ça n'a pas été le cas. Et derrière, on attend toujours les rapports de fouilles qui n'existent pas. Donc, c'est parfois un peu compliqué. Et évidemment, le côté thématique et chasse-trésor est extrêmement complexe et vient se rajouter à tout ça, puisque vous le savez, ces épaves parfois sont malheureusement ou heureusement pour la recherche coulées à de faibles profondeurs, entre 6 et 8, 9 mètres de profondeur, ce qui reste relativement accessible au pillage. Et de ce fait, c'est très souvent pillé et du coup, les archéologues et évidemment les historiens perdent énormément d'informations. Vu qu'on est un peu dans la thématique, moi je te propose de continuer un petit peu sur cette méthodologie de la recherche et sur les moyens que vous pouvez mettre en œuvre pour travailler sur ces chantiers archéo avant d'enchaîner ensuite sur tes propres recherches donc, que tu as menées autour de l'île Sainte-Marie. Concrètement, vous avez quoi comme type de méthode, d'outils à votre dispo pour mener les campagnes de recherche ? D'archéologie sous-marine ? Par exemple. Alors déjà, je précise, parce que ça va peut-être être dit en off, moi je suis pas archéologue sous-marin. C'est pas ma formation, vous l'avez vu, je travaille sur le mérovingien, donc à la base. Donc je suis archéologue terrestre, ok ? Et en plus spécialiste des objets, donc je suis pas plongeur. J'ai plongé sur le Speaker, mais je dirigeais absolument pas la fouille. D'ailleurs, on n'a pas fait une fouille, on a fait un repérage et une cartographie des vestiges en place. La fouille, ça sera pour l'année prochaine, on espère. Donc déjà, dans un premier temps, il faut être... Pourquoi je le dis ? Parce qu'il faut être habilité à pouvoir plonger. C'est-à-dire, la première étape, c'est pas le matériel, c'est les plongeurs, c'est l'équipe. Et notamment, une équipe formée, avec, bien sûr, des agréments qui sont délivrés par le ministère de la Culture. C'est extrêmement important. Donc, on a des niveaux, hein, je passe dans le détail, les niveaux classiques de plongée, et puis ensuite, on a des niveaux hyperbares professionnels. Déjà, quand en tout cas, on fouille en archéologie dans les eaux françaises, c'est comme ça. Okay ? Quand on fouille à l'international, c'est différent. Mais en tout cas, on a besoin d'archéologues et d'archéologues plongeurs. Ça, c'est une première chose. Une méthode de travail, évidemment, qui doit être mise en œuvre au préalable. On met pas en place. Nous, on a préparé pendant presque 2 ans notre mission sur le Speaker pour 10 jours de travail. Évidemment, associé à ça, on a le matériel de plongée. On plonge pas en masque et tuba, vous en doutez. On a bouteille, on a la combinaison, on a les plombs pour descendre, la stab, et évidemment, etc.
tout le matériel de plongée classique. Et ensuite, on est affublé d'un certain nombre d'outils qui nous permettent de travailler sous l'eau. Travailler sous l'eau, c'est pas simple parce qu'on peut pas parler sous l'eau. Et oui, et moi j'ai découvert ça, comme par hasard. Je peux vous dire que c'est quand même, déjà moi je suis bavard, et c'est quand même extrêmement compliqué de faire de l'archéologie sous l'eau, parce qu'on est obligé déjà en amont de se faire un grand plan de travail avant de partir sur le bateau qui nous emmène sur le site et juste avant la plongée pour savoir qui fait quoi dans un premier temps. Et encore, on n'était que sur une mission d'inventaire et de cartographie. Donc quand on fouille, c'est encore plus complexe. Donc il faut que chacun ait des tâches bien précises à exécuter. Pour communiquer, on a tous des carnets et des crayons pour s'écrire des petites phrases et des petits mots. Voilà. Et puis, on a surtout pas mal d'outils, et notamment tous les outils sont encordés à nous avec des mousquetons, parce que vous laissez un outil à un endroit, et puis 5 minutes plus tard, vous ne le retrouvez plus, parce qu'il est déjà loin avec le courant. Donc surtout que nous étions, si je parle un petit peu de mon expérience, nous étions à 3 mètres de profondeur à l'extérieur du récif, et on était ballottés 3 mètres par 3 mètres à cause de la houle sous-marine. On était obligés de s'accrocher au canon pour travailler. Donc, en plus, communiquer, prendre les mesures. Alors, je vous raconte pas les mesures des canons et des ancres. Dérouler un décamètre sur terre, c'est hyper facile, on a le temps, etc. Là, il fallait tout faire rapidement. Pourquoi? Parce que je fais des questions et des réponses, mais on a de l'air. Et on a un temps limite de travail. Et ça, c'est absolument l'enfer, en fait. Parce que on est limité dans notre travail. Alors vous, en journée, en archéologie, on a 7 heures de boulot, on est plus ou moins quand même pas stressé pour faire nos tâches. Là, on a 1h30 le matin, 1h30 le soir, enfin l'après-midi. Donc c'est quand même assez chaud en termes de timing, il faut l'avouer. Donc tout intérêt est à peu près au cordeau. Évidemment, on n'arrive jamais à faire ce qu'on a prévu de faire. Donc il faut replonger, exécuter. Pour mesurer, je vous raconte pas, c'est très compliqué. On a aussi des compas. Des pas à danser, ça s'appelle, qui permettent de mesurer la bouche du canon, les tourillons, etc., les diamètres. On a l'altimètre qui permet d'avoir l'altimétrie de chaque vestige. Et puis, on fait beaucoup de photos. Alors, la photo, c'est pareil. Prendre une photo dehors d'un vestige, d'un fond de cabane, d'une tombe, on peut la refaire 50 fois. Sous l'eau, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, on est déporté. Et puis, nous, on a fait ce qu'on appelle la photogrammétrie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une méthode qui permet de modéliser en 3D, d'avoir un modèle orthophoto, donc une photo très précise, au millimètre près presque, du vestige. Sauf que si vous avez des particules devant vous, de l'eau qui n'est pas très claire, à l'île Maurice, elle est super bleue. Mais il n'empêche que, à cause de la houle sous-marine, on avait des particules partout. Et ça complexifiait énormément la prise de photo. Et donc, on avait des photos qui étaient totalement inexploitables. Donc, tout est compliqué sous l'eau, vraiment tout. Et puis surtout, 2 heures de préparation avant, matériel, chargé, etc., se rendre sur le site, on va dire entre 15 et une demi-heure, selon le bateau que vous avez, une barge lente ou un bateau rapide, plonger, ressortir après la plongée, rebelote, re-ranger le matériel. Je peux te dire qu'à la fin, vous êtes rincé. C'est une bonne expérience de travail. Et sauf que nous, qu'est-ce qui se passait? Comme tous les archéologues en mission sur un temps donné, on travaillait le soir. Donc ça faisait des bonnes journées, des bonnes soirées. On a quand même réussi du coup en un temps record, 4 mois entre la fin de la mission et la date d'avril 2022, à sortir un bouquin qui expliquait quand même un petit peu notre mission et les premiers résultats, les premières attentes du public sur le sujet. Donc voilà. Donc celui-là, 1712 Picker, c'est ça? Voilà, avec mon collègue archéologue et océanographe Yann Van Arnim, qui a recensé plus de 2000 épaves autour de la côte mauricienne, toute période confondue, qui est un puits de science et qui est vraiment une personne charmante que je remercie pour son accueil et son aide, parce que sans lui, rien ne se serait fait. Donc, c'est compliqué. Imaginez-vous, nous n'étions qu'à 3 mètres de profondeur. Quand on est à 20 mètres de profondeur, on a moins de temps de travail puisque l'air, on la consomme plus vite. Donc, encore une fois, ce temps, on a vraiment la montre tout le temps, sur notre nanomètre, évidemment, pour regarder l'air qui nous reste. C'est vraiment… on a 220 bars au début, et puis il faut pas dépasser 50. Alors, 50, c'est la réserve. Alors, on n'a même pas la totalité de la bouteille. Enfin, tous les plongeurs le savent, mais c'est quand même extrêmement compliqué. Voir des poissons, c'est sympa, mais bosser sous l'eau, c'est compliqué quand même.
Est-ce qu'on arrive à trouver des épaves qui sont en, qui datent de plusieurs centaines d'années et qui restent en relativement bon état? Alors, faut sortir de l'idée du dernier bateau qui a été trouvé là en 2015 et très médiatisé il y a un mois, l'épave du San José 1708, où on a vu pas mal de vidéos avec une quantité industrielle de porcelaine chinoise et une épave que je veux dire un tiers complet avec des élévations, etc. D'ailleurs, on ne sait pas si c'était vraiment ce bateau-là ou si c'était l'autre bateau qui datait du 19e siècle. Pour la période pirate, non. Non, on a déjà sur le speaker, on n'a aucun reste de bois. On ne savait même pas d'ailleurs où le bateau avait été coulé. On a le site archéologique, 400 mètres de long, du premier canon au dernier canon. Mais ils ont délesté les canons avec le naufrage, là, au cours de la tempête. Et à un moment, le bateau, pouf, il est tombé. Mais où? Il n'y a plus de reste de bois. Comment on fait, nous, archéologues, pour savoir où il est? Ben, c'est un travail de patience et visuel. Donc, on a détecté, en fait, au détecteur de métaux, deux amas de boulets de canon qui étaient comme presque comme des petites pyramides et plusieurs canons autour et des ancres, ce qui nous a donné un peu le négatif, si on veut, du bateau et sa dernière empreinte. Mais pour le bateau de Barbe Noire, c'est beaucoup plus facile. On est à 6 mètres de profondeur et on a, je crois, une quarantaine de mètres de long. Ce que les bateaux faisaient, c'est le frégate, hein, le Queen's Revenge, je sais plus combien il a de canons, je crois une quarantaine de canons, c'était une frégate française, je sais plus combien de tonneaux il avait, mais il faut estimer entre 30 et 40 mètres les bateaux. Hein. Donc évidemment, à plat, c'est un peu plus ramassé. C'est généralement les canons en fait qui nous indiquent la position du bateau. Et sous les canons, puisque c'est la chance, les canons conservent, c'est tellement lourd. C'est une masse, hein, soit en fer, soit en bronze. Il conserve en fait pas mal de choses en négatif, en dessous. Donc, quand on travaille un petit peu autour des canons, on a des restes de bois, des restes de planches. Donc oui, on peut avoir des éléments liés à la coque du navire, évidemment, sur la natière. Les deux épaves corsaires fouillées dans les années 2000. On a les restes de cordes, des assiettes en étain posées avec la bouteille en verre par-dessus, quasiment un service. Moi, j'ai pas plongé dessus, hein, je dis ça de ce que j'ai su et vu dans les documentaires ou les articles. On a des membrures, etc., qui sont encore en place en bois. Pour les épaves pirates, c'est quand même rarement le cas. On a quelques éléments quand même de plans qui nous montrent des restes de navires, mais c'est pas ça qui va forcément beaucoup aider à l'identification d'un type de bateau, si je puis dire, et notamment des frégates. Donc, faut sortir de l'idée de Tintin et le trésor de Rackham le Rouge où le bateau est quasi complet. Non, on aimerait bien, hein, mais c'est pas le cas encore. Ou alors, rappelons-le, le San José, combien de mètres de profondeur, Ben? Je sais pas. 950 mètres. C'est du robot, là, qui est utilisé Ouais, c'est du robot. Ouais. C'est du robot animatronique, petit sous-marin, etc. Oui. Alors bon, là, on est un peu à l'abri du pillage. Hein. Ça va, 950 mètres, c'est pas mal. Donc forcément, plus c'est profond, mieux c'est conservé. Et alors, l'archéologie pirate, ça se fait que en mer ou justement sur Terre aussi? Eh bien, c'est ce que nous envient, entre guillemets, les Américains, parce que les Américains, bon côté des Américains, évidemment, on a de très bons collègues américains. D'ailleurs, j'ai dit un peu de mal de certains collègues, qui ne sont pas des collègues, d'ailleurs, qui ne sont pas forcément formés en archéologie. Mais on a notamment des universitaires qui nous envient un petit peu notre travail sur le côté terrestre, parce que c'est vrai que c'est lié à l'historiographie de cette thématique de travail. Souvent, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, les épaves, etc., ça fait rêver et tout. Mais ces pirates, à un moment, ils se sont posés. Ils se sont installés dans des zones de relâche, comme on dit, que ce soit dans l'espace caribéen ou dans l'océan Indien. Et ces zones de relâche, on est en train d'y travailler sur le côté caribéen, notamment côté historique. On n'est pas encore au niveau archéologique, on n'a pas encore mené de programme ou de prospection. On est tout jeune, hein, on a démarré en 2019, faut nous laisser le temps un petit peu d'agir, il y a eu le Covid au milieu. Mais du coup, avec le projet Speaker 1702 à l'île Maurice, on a une assise dans l'océan Indien et on a développé en parallèle un programme de recherche sur l'archéologie terrestre sur une île qui s'appelle l'île Sainte-Marie et sa baie particulière qui s'appelle la baie d'Ambodifotlatra. Donc tout ça appartenant à la République de Madagascar.
L'île est en fait au nord-est de la Grande Terre, de Madagascar, et a abrité un des nombreux repères pirates de l'océan Indien. C'est pas le principal forcément, mais il est connu dans les textes et aussi dans certaines cartographies et plans. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'était justement de partir de cette idée d'installation de pirates, presque de libertalia, par rapport au mythe d'une communauté pirate et tout ce qu'on peut écrire sur le sujet, à la réalité du terrain. Et c'est pas mal, quand même, ce qu'on a trouvé, ce qu'on a mis en évidence pour une première mission archéologique de reconnaissance en total lien avec les autorités malgaches et la formation, d'ailleurs, des étudiants sur place. On est plutôt contents. L'objectif, c'est que ces pirates, ils sont installés là. Qu'est-ce qu'ils font ? Déjà, dans un premier temps, ils se posent. Ils se posent, mais pas très longtemps, parce que l'objectif, quand même, c'est deux choses. Le ravitaillement. Eh oui, il y a un moment, quand on navigue, les navigants en mer, on a soif et on a faim. Et puis deux, on répare, puisque les dommages liés à la coque sont quand même réguliers. Et de ce fait, on fait une opération qui s'appelle le carénage, c'est-à-dire qu'on met hors d'eau le bateau et la coque, par un système d'aménagement sur rondins et autres. Et puis, on nettoie, on brosse, on astique un petit peu, on répare. Il y a tous les corps de métier qui sont à bord, les charpentiers, les marins, etc., qui donnent un coup de main et qui vraiment nettoient, puisque vous le savez aujourd'hui peut-être, mais sur les péniches, notamment à Samoa, tous les deux ans, il faut mettre à sec le bateau pour justement nettoyer les coques. Et à l'époque, c'était pareil. Et surtout, le bois, ça se détériore beaucoup plus vite. Donc, il faut enlever toutes ces aspérités. Et l'objectif de ces recherches à Madagascar, sur l'île Sainte-Marie, c'était justement d'essayer de mettre en évidence ces zones de ravitaillement et de carénage. Et on n'a pas trop mal réussi. Parce que grâce aux plans qui existaient et aux archives que l'on connaissait, les archives qui datent des années 1690-1730, pile sur cet âge d'or de la piraterie, on avait des plans qui étaient mis en évidence par les Français qui étaient là pour un peu espionner les Français, donc je reviens là-dessus, sur la marine royale française qui a occupé les lieux au milieu du XVIIe siècle et qui, à un moment donné, est partie dans les années 1670, qui a quitté en fait cette zone de l'île Sainte-Marie, de la baie d'Ambodifotatra. Et les pirates en fait sont arrivés dans les années 1690. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, au début du XVIIIe siècle, les Français veulent reprendre la zone parce qu'elle est intéressante, parce qu'il y a une zone connue d'eau douce qui est extrêmement intéressante. Et puis, on a des ressources de bois, de corail, etc. Je vais vous expliquer à quoi sert le corail. Et tout ça fait que, de ce fait, les Français ont renseigné sur des plans la présence de tous ces éléments clés. Et les pirates, évidemment, connaissaient ces éléments-là. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est que les bateaux arrivaient dans la baie, au niveau de l'île aux Cailles, qui s'appelle aujourd'hui l'île aux Madames, qui accueille d'ailleurs un musée où sont conservés les objets archéologiques, et puis rentraient partiellement dans la baie, lâchaient les chaloupes pour arriver jusqu'à l'île aux Forbans, qui est au centre de la baie. Vous pouvez regarder tous ces éléments-là sur notre site internet qui s'appelle archéologiedelapiraterie.fr, il y a des cartes, etc. Et puis, ensuite, arriver dans une zone qui s'appelle les Boades, qui est une zone, les Boades, ça veut dire d'ailleurs, sur les plans, zone de ravitaillement en eau. Ah. Et les pirates, en fait, ont installé des éléments, des aménagements en matériaux périssables, en bambou et autres, qui ont été reconduits et reconstruits par les Français au cours du 19e siècle, quand ils ont réussi à reprendre la baie à partir de 1750. Et on a découvert, nous, un véritable aqueduc avec tout un système de récupération de l'eau qui arrivait jusqu'à la source et même la présence de barrages en pierre. Évidemment, ces éléments sont plus récents, ils datent du 18e ou du 19e siècle, mais il n'empêche que c'est l'emplacement clé que les pirates avaient. Donc c'est extrêmement intéressant parce que nous, pour l'instant, nous avons fait des sondages et de la prospection, mais nous reviendrons pour essayer de mettre en évidence ces occupations plus anciennes avec justement des objets qui sont liés à cette période-là. Et sur l'île aux Forbans, qui est au centre de l'île, de la baie, pardon, cette petite île qui s'appelle île aux Forbans, c'est quand même assez génial, elle a ce nom-là dès les années 1720-1730. Hein. Ça n'est pas une nomination récente pour amener du touriste. Ça aurait pu, mais ça n'est pas le cas. Elle a été nommée ainsi, évidemment, par les Français,
Et cette île aux formants extrêmement intéressante, elle n'a pas accueilli le trésor de la buse ou le trésor de n'importe quel pirate. Il faut sortir de ces idées-là. Non. Mais par contre, on a trouvé, nous, des zones extrêmement intéressantes, notamment une zone de corail brûlé, rubéfié. Et le corail rubéfié, ça servait à quoi? On le brûlait pour en faire de la chaux. Et la chaux, ça sert à deux choses à l'époque. Certes, de liant pour construire des habitations, mais de deux, nettoyer les navires. On l'appliquait sur les coques des bateaux à sec pour justement aseptiser et nettoyer de toutes ces aspérités qui étaient néfastes pour la coque. Et donc on a ces éléments-là. Et au milieu de cette zone rubéfiée, qu'est-ce qu'on a trouvé? Des clous de carvel, des clous de coque de bateau, d'autres coquillages et même de la porcelaine chinoise qui date justement du XVIIe siècle. Donc c'est extrêmement intéressant parce que là on sait probablement que cette zone a servi aux pirates, pardon, mais aussi aux Français plus tard. Et d'ailleurs, il est indiqué sur un des plans français, elle est super, je vous le fais en résumé, cette île est extrêmement intéressante, on peut la défendre de cette manière, et c'est un plan avec plein de fortifications, et ensuite, elle est intéressante pourquoi? Parce qu'on a du ravitaillement possible en eau, en bois et en corail. Et le corail, ça sert à faire de la chaux, et tout est expliqué sur le plan. C'est presque un prospectus touristique pour tout bateau qui arrive dans la zone et qui peut se ravitailler. Donc on a des choses qui sont vraiment chouettes. À l'entrée de cette baie, on a, je l'ai dit, l'île aux cailles, l'île aux madames, il faut quand même le dire. On a au moins une épave pirate qui a été coulée en 1720. Il semblerait que ce soit un sabordage et qui a été partiellement investiguée par les mêmes Américains qui ont travaillé sur le Ouidagali en 1984-87 et qui ont travaillé du coup sur cette épave entre 2000 et 2015. Les objets sont désormais au musée et ont été examinés par notre équipe puisque ils n'avaient pas pu faire l'objet d'un travail scientifique à l'époque. Pareil, investigation un peu décriée, l'UNESCO s'en est mêlé, on va pas rentrer dans les détails. Mais voilà, donc on n'a pas pu plonger sur cette mission-là, une mission qu'on a exercée en mai dernier. Hein, donc là, je reviens. J'ai mis une petite plante verte derrière pour vous mettre un petit côté exotique malgache. Mais voilà, il y a un mois, on y était encore. Et donc, on a pas mal de choses de traitement de données, notamment en photogrammétrie, relief, etc. Et puis, bah, tout le mobilier à traiter, qui est resté sur place, on le rappelle. Hein, on n'a rien emmené avec nous, c'était l'objectif aussi. Et par rapport à ça, on a eu quand même une grande chance, c'était d'aider à former les étudiants en archéologie des universités de Tamatave et de Tananarive. Donc ça, c'était un vrai plaisir de travailler avec tous ces professionnels sur place. Oui, il y a une vraie coopération avec les autorités et les collègues malgaches. Parce que c'est vrai qu'on a, on a souvent tendance à avoir cette image des scientifiques européens qui débarquent dans des pays où ils n'ont pas forcément les sous pour faire les fouilles, qui font leurs trucs, voire qui ramènent des trucs au pays, ce que vous n'avez pas fait, sans demander l'avis aux gens sur place, quoi. C'est exactement ce qui a cristallisé les problèmes avec les collègues chasseurs de trésors, on les appelle comme on veut. Il y a quand même des archéologues formés qui ont travaillé avec eux aussi à l'époque, et c'est ce qui a cristallisé les problèmes. Et nous, donc là, on est en 2010-2015. Pour la dernière campagne, c'était en 2015. On est quand même arrivé là en mai dernier, et on nous a encore parlé de tout ça. On nous a interdit de plonger sur la zone pour ces mêmes raisons, parce qu'on est encore, on était encore dans une période de controverses, de complications au sujet des épaves. Donc, on nous a laissé travailler, mais uniquement en terrestre. Alors qu'à l'origine, le projet a intégré, évidemment, l'étude de ces épaves. On le fera plus tard, puisque maintenant, le rapport de confiance est totalement installé. Mais il n'empêche que sur place, quand nous sommes arrivés, ça n'a pas toujours été simple, puisque, on est blanc. Voilà. Et on vient de France, donc c'est pas toujours facile. Bien qu'on ait eu des étudiants malgaches avec nous, locaux même d'ailleurs, pour un Saint-Marien, et ça a été compliqué. On nous a même accusé, ça va vous faire rire, petite anecdote de fouille. On a quand même balancé un drone pour faire du lidar sur une partie de la zone, hein, c'est-à-dire pour avoir le scan topographique de toute la baie, qu'on a réussi quasiment à faire en 3 jours. Et le drone qui scanne, etc. Et puis à un moment, j'ai mes collègues qui m'appellent, qui me disent « Jean, écoute, on a un souci, moi j'étais pas avec eux, on a un souci, il y a un villageois qui nous accuse d'avoir tué son poulet. » J'y dis « Comment ça ?»« Le drone, il aurait découpé le poulet. »
Donc évidemment on en rigole puisque bah les poulets ne volent pas et non plus à Madagascar hein, ça c'est sûr et donc en fait c'était une façon encore une fois de mettre l'accent sur notre présence, le fait qu'on était là pour trouver le trésor. D'ailleurs on nous a accusés de chercher le trésor, on a dit non mais nous on cherche de la céramique. Oui mais vous avez planqué le trésor. Non, on n'a pas trouvé de trésor, il n'y en a pas d'ailleurs, l'objectif c'est pas ça. Voilà, et également sur les réseaux sociaux, parce qu'on communique beaucoup, peut-être trop sur les réseaux sociaux, et on nous a pris à partie, etc., par la population locale, parce que si on dit, on justifie, de toute manière, on nous dit qu'on l'a caché, donc bon, c'est un peu compliqué parfois, mais globalement, ça s'est quand même extrêmement bien passé, on a été très bien accueillis, c'est quelques personnalités sur place qui nous ont ennuyés, mais ça n'a pas duré, il a fallu en fait communiquer. C'est toute une histoire de communication avec les gens aussi. Hein. On peut pas arriver comme ça et arriver en terrain conquis et mettre en place une coopération franco-malgache sans prévenir les autorités ou sans discuter avec la population. C'est tout à fait normal, ça se fait partout ailleurs, donc je vois pas pourquoi on le ferait pas à Madagascar, et c'est ce qu'on a réussi à faire, et du coup le rapport de confiance est installé, et on espère l'année prochaine pouvoir y revenir, et puis travailler aussi sur ces épaves qui demandent qu'à être mise en évidence et traitée de la bonne manière. Pour juste une petite info, sur une des épaves, il y a quand même près de 3500 tessons de céramique qui ont été découverts, dont plus de 2800 de porcelaine chinoise. Donc on a une collection incroyable qui est conservée aujourd'hui dans les réserves du musée et qui demande qu'a été truquée, et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc on a beaucoup de chance aussi, hein, quand même, conditions de travail incroyables. On allait au bureau en pirogue. Bon, c'était quand même sympa. En tout cas, faut quand même expliquer que si la méfiance de certains est aussi importante, c'est aussi parce que Madagascar est une ancienne colonie. Enfin, en tout cas, les Français ont colonisé l'île. Bien sûr, on était les Français étaient présents jusque dans les années 70. Il en reste beaucoup officiellement. Il en reste encore beaucoup. Les tensions entre la France et Madagascar peuvent être encore présentes. C'est pas toujours simple au niveau géopolitique. Et puis, les anciens, eux, ils connaissent l'archéologie que par la présence des Américains. Donc, Américains ou Français, pour les gens, c'est un peu pareil. On vient piller le trésor, piller. Et c'est là où la caricature du pirate fait mal. C'est trésor sous-marin ou trésor caché sur une île. D'ailleurs, on a, nous, observé sur l'île aux Forbans des sondages anciens effectués par des pilleurs, notamment des pilleurs étrangers, donc pas forcément des locaux. Et des sacrés trous hein, qui n'ont pas été rebouchés. Donc déjà, en plus, c'est extrêmement dangereux. Donc on a ce côté caricatural qui est présent, qui est toujours présent, et qui amène quand même de l'animosité si on n'est pas dans un dialogue avec les gens. Quoi. Enfin, nous, l'objectif, c'était de former les étudiants, de venir travailler sur place, parce que aussi, c'est des rêves de gosses pour chacun d'entre nous, et on avait envie de partager ça avec les gens, et c'est ce qu'on a fait. Donc on est assez content aussi, au final, de ce qu'on a pu faire avec les étudiants et la population. Et alors, qu'est-ce que tu as fait, de façon très pragmatique, justement, sur cette archéologie terrestre qui vous était permis? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la première semaine, on a fait du LIDAR. C'est-à-dire que il y avait deux collègues qui étaient là, Isabelle Le Tellier et Eric Yeni. Je les salue s'ils nous écoutent. Isabelle qui a sa boîte de drones hein, et de LIDAR. Donc, ils ont balancé le LIDAR sur 3 jours dans des zones particulières, pour justement, comme je l'ai dit, scanner et avoir une image 3 dimensions en relief et avec évidemment un MNT, un modèle numérique de terrain et de surface pour avoir un scan complet topo de la baie, ce qui n'avait jamais été fait. Dans un second temps, ce scan, il va nous servir à quoi? Il nous sert à traiter les anomalies, la visibilité des anomalies présentes sur le terrain. Si j'explique, en prospection dans les zones où on est allé, il y a de la végétation. C'est très compliqué de travailler quand on a des fougères au sol, par exemple. Donc, le LIDAR permet d'enlever la canopée, à la fois les arbres, mais aussi la végétation qui nous empêche de travailler. Et en traitant avec des différents scans, différents calques, etc., on arrive à mettre en évidence des anomalies, c'est ce qu'on appelle comme ça, des anomalies archéologiques, anthropiques,
non pas, évidemment, on voit les cabanes, les maisons, etc., mais on voit aussi des choses que l'on ne voit pas en vue aérienne. Donc, on couple en fait plusieurs données aériennes qui nous permettent de retourner ensuite sur le terrain et de cibler des zones qui sont sensibles à l'archéologie. Donc, ça, c'est une première chose. On a travaillé aussi sur l'îlot Forban, mais par exemple, voilà, l'îlot Forban était très dense en termes de végétation, ça n'a pas bien marché, parce que le lidar n'a pas pu percer, vraiment, c'est des rayons, hein. Donc il n'a pas pu percer la canopée qui était très dense. Par contre, ça a très bien marché sur le fort de la possession, qui a été édifié dans les années 1750 d'après les textes, reconduit, réoccupé jusqu'au 19e siècle. Il y a encore d'ailleurs une garnison malgache sur place. Mais nous, ce qu'on avait comme intérêt, c'était de connaître la réelle fondation du fort. Est-ce qu'elle était datée de 1750, fort de la Compagnie des Indes par les Français, ou est-ce qu'elle était plus ancienne? Et en fait, le lidar nous a permis de mettre en évidence des remparts, des zones plus anciennes, avec un plan assez ancien, et qu'on ne pouvait pas forcément voir à l'œil nu, ou alors qui était caché sous la végétation. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ça, c'était la première semaine. Et ensuite, il nous restait 2 semaines de terrain. Eh bien, grâce au lidar qui a été partiellement traité sur place, et en revenant de France, et à nos prospections dans des zones qui étaient plus accessibles que celles qui avaient été traitées par le lidar, on a pu aller à l'Aiguade, sur l'île au Forban et au fort, et on a mené une prospection dans un premier temps, c'est-à-dire rechercher des vestiges et des aménagements visibles à l'œil nu, sans creuser, en ramassant, en marquant au GPS les différentes données qu'on pouvait trouver, et ensuite on a effectué des sondages. Des sondages, c'est-à-dire des fenêtres ouvertes. Alors là, on est dans une première mission de reconnaissance, donc on ne fait pas des grands sondages sur aire ouverte, hein, comme vous pouvez le voir dans les reportages ou dans les documentaires, etc., ou sur le web. On est sur des petites fenêtres d'un mètre sur un mètre, avec environ 50 cm de profondeur, et on teste. En fait, c'est des sondages test pour voir où on en est au niveau des occupations. Et ça nous a permis de lire en fait le sol et de comprendre tous ces éléments-là. C'est rajouter en plus des vestiges extrêmement intéressants, c'est-à-dire des aménagements en pierre, qui n'était pas forcément visible ou répertorié, qu'on a dessiné, photographié, etc. Et bien sûr, on a collecté des objets qui ont été inventoriés et dessinés, qu'on est encore en train de traiter à distance, puisqu'on a renseigné un maximum de choses sur place. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et Ben l'a rappelé, on n'a pas ramené les objets. Donc, il fallait renseigner un maximum de choses sur place. Donc, sur 2 semaines, c'était assez chaud. Et maintenant, on est en train de traiter nos dessins, d'écrire les rapports, sur différents sites. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une baie assez imposante et on a, je vais dire quelque chose comme ça en l'air, mais une douzaine de sites archéologiques. Donc, il faut mettre en évidence ces zones avec ces sites archéologiques et les traiter de manière méthodique pour ensuite remettre un rapport archéologique officiel signé et écrit par les Français et les Malgaches, le remettre au gouvernement, comme en France, hein, et puis ensuite valider une potentielle future deuxième mission pour aller un peu plus loin dans les investigations. Mais alors, juste cette campagne-là qui était juste du repérage, tu m'as dit que vous avez mis 2 ans, c'est ça, à la préparer. Donc là, s'il y a une douzaine de sites archéo, c'est quoi, c'est le travail d'une vie? Non. Alors, on avait mis 2 ans pour le speaker, on a mis à peu près 2 ans aussi pour l'île Sainte-Marie. On avait intégré à la base, évidemment, la plongée, mais bon, ça a été écarté. Donc, on s'est concentré sur tout ça. Et là, on a fait une dizaine de sondages. Donc, une dizaine de sondages de 1 mètre sur 1 mètre. On est plusieurs à travailler ensemble. Donc, il y a mon collègue Alexandre, hein, qui est en Guadeloupe aujourd'hui, ma collègue Anne, qui est à Saint-Malo, Ludovic Iba, qui est à Dijon. D'ailleurs, petite pub, vient de sortir son livre sur une exploration en Amazonie, Ludovic Iba. On est plusieurs à travailler à distance, on se fait des réunions régulières. Isabelle aussi qui fait le post-traitement du lidar. Et donc, on a à la fois de la carto, on a à la fois du dessin, la DAO, donc dessin assisté par ordinateur, le traitement des objets, et puis chacun mes affaires à édifice. Non, il faut qu'on rende le rapport à la rentrée ou en voir en décembre. Mais non, on chôme pas. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que tout ça, c'est pas notre travail. C'est-à-dire qu'on fait ça en plus, parce que c'est important que les gens le savent. Hein. Nous, on est bénévole sur l'archéologie de la piraterie. C'est-à-dire qu'on fait ça en plus de notre travail d'archéologue, moi à Laboratoire Jean d'Arc ou Alexandre à l'INRAP. Donc, on prend des jours de congé, parfois du sans-solde, pour aller dans ces zones extrêmement intéressantes, pour former les étudiants
et pour essayer de faire au mieux et de faire un travail scientifique au plus près des exigences françaises aussi, puisque nous, de notre côté, on est attendu au tournant aussi, hein, on va communiquer, etc., mais le rapport sera accessible, donc c'est un rapport public. Donc une fois qu'il est validé aussi par les autorités locales, on a à répondre aussi des autorités françaises et de l'exigence qu'on va mettre. Donc on fait quelque chose d'extrêmement sérieux, et c'est pour ça qu'on va doucement. On a fait nos prospections, nos sondages, on a fait du LIDAR, on a eu la chance, il faut le dire aussi, puisque tout ça, c'est un coût, hein, et que nous, on est une petite association qui a un programme de recherche, mais une association quand même, donc on a pu travailler grâce à l'aide des adhérents, mais aussi à deux crowdfunding qu'on a mis en place bien en amont, et je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont pu participer et contribuer, mais on a aussi été financé par une boîte de production qui s'appelle Gédéon Programme, et qui a quand même financé une grosse partie de la mission de Sainte-Marie, et qui en fait nous suivait pour mettre en place un documentaire qui sera diffusé sur Arte en fin d'année, et qui nous a permis aussi notamment de faire le LIDAR, parce que ça coûte extrêmement cher, et l'association n'avait pas les moyens de le faire. Donc moi, je suis en totale transparence sur ce qu'on fait, parce que je trouve que c'est vraiment important d'expliquer aux gens la méthode de travail, ce qu'on fait, etc. Donc c'est pour ça, quand on nous accuse de récupérer du trésor ou autre, c'est des gens qui sont mal informés en réalité, et généralement, on n'a aucun souci. Et on s'adresse autant à la communauté scientifique qu'au grand public, parce que c'est notre objectif, valoriser cette archéologie de la piraterie en revenant quand même un petit peu sur les idées reçues. En tout cas, quand je disais que c'était le travail d'une vie, c'est pour approfondir les fouilles sur les 12 sites. Hein. C'était pas cette partie préparatoire. Ah oui, bien sûr. Oui, on va y revenir et on espère y revenir. Oui, ça c'est sûr. On a du boulot, on a du pain sur la planche, ça c'est sûr. On nous demande quel avenir pour ces étudiants qui sont formés sur place, en fait. Est-ce qu'ils ont les moyens de continuer les recherches, par exemple? Est-ce que les laboratoires de recherche locaux peuvent et doivent être financés pleinement et indépendamment? C'est une très bonne question, enfin, qui en contient plusieurs d'ailleurs. Alors déjà, pour être en toute transparence, on avait deux profs d'université qui nous accompagnaient, et puis un prof qui était émérite, hein, qui vit d'ailleurs en France. Et donc ces trois profs encadraient avec nous les cinq étudiants de deux universités, j'ai dit Tana et Tamatav. Et puis parmi eux, on avait un étudiant qui vit à Sainte-Marie. C'était super parce qu'il nous a permis aussi de nous mettre en lien avec la population locale, ce qui était génial. Non, ces étudiants, en fait, aujourd'hui, ils sont plus étudiants. Enfin, ils sont étudiants, ils font partie d'associations d'archéologie locale parce que, bah, justement, il n'y a pas de travail en archéologie. En tout cas, il y a un musée national d'archéologie à Tananarive. On a deux universités qui forment un peu les étudiants. Mais malheureusement, en fait, il n'y a pas forcément beaucoup de moyens pour la recherche en archéologie sur place. On a des profs qui sont en poste, mais qui vont bientôt partir à la retraite. Et la suite, en fait, c'est ces étudiants qui étaient avec nous, qu'on a aidés à former, mais qui sont déjà formés avec leur propre méthode. Donc là, ce qui était intéressant, c'était l'échange de compétences aussi, et notamment l'apport de logiciels comme Illustrator, Photoshop, mais aussi le travail du LIDAR, la photogrammétrie. Enfin, il y a plein de choses qu'ils ne connaissaient pas forcément. Et ils avaient tout autant beaucoup de compétences et beaucoup de connaissances, surtout sur les contextes malgaches que nous ne connaissions pas. Donc c'était extrêmement intéressant d'échanger là-dessus. Par contre, pour autant, ce sont des étudiants qui aujourd'hui ont dû prendre des jours de congé pour venir travailler avec nous, qu'on a aussi aidé financièrement et je remercie aussi à l'ambassade de France de Madagascar qui nous a aidé aussi à financer ces étudiants au niveau des défraiements, etc., donner un petit coup de pouce, parce que aujourd'hui, ces étudiants sont bénévoles comme nous, en fait, finalement, et ils sont venus pour aider, pour apprendre pas mal de choses. C'était une belle opportunité, et on espère pouvoir poursuivre avec eux les prochaines années, mais aujourd'hui, ils sont sortis du cadre de l'archéologie professionnelle, ça c'est une évidence. Donc, c'est un peu compliqué. Madagascar a quand même la chance d'avoir toujours, à ce jour, un laboratoire d'archéologie qui continue à fonctionner, ce qui n'est pas le cas de l'île Maurice, qui est beaucoup plus petit, certes, mais, et qui a aussi une grande richesse archéologique, mais qui n'a pas d'archéologue professionnel. Je vous parlais tout à l'heure de mon collègue Yann Van Arnim,
qui est associé au Mauritius Museum Council, qui est présent dans les musées d'archéologie, etc., qui a une formation d'archéologie bénévole, etc., qui est océanographe, qui est la pierre à l'édifice sur l'archéologie sous-marine de l'île Maurice. Mais ce sont des étrangers, des campagnes étrangères avec l'accord des Mauriciens et en lien avec les Mauriciens que le travail se fait. Donc, localement, on n'a pas ce travail qui est professionnalisé comme en France. On a beaucoup de chance, hein. Je vais dire quelque chose, c'est un problème de riche, l'archéologie, hein, pour ces pays-là. Enfin, c'est pas simple, c'est une vraie volonté aussi, c'est compliqué, la recherche. On le voit comme c'est compliqué en France et en Europe. Donc, imaginez-vous dans des pays où, nous, on le voyait, hein, la faim est là. Donc, c'est compliqué. Les gens, ils partent travailler, en fait, ils partent se nourrir. Voilà. Ça se passe comme ça à Madagascar. Donc l'archéologie, pour ça qu'aussi ils sont animés par cette histoire de recherche de trésors. Enfin, faut pas leur en vouloir non plus. C'est une question. Imaginez-vous, on vient nous bénévolement travailler sur leur territoire. Ils comprennent pas, ils comprennent même pas le concept. donc c'est pour ça qu'on est ravi de travailler avec les collègues malgaches et les étudiants qui sont sortis un peu du cadre professionnel et qu'on espère. Puisque c'est eux qui vont essayer de réanimer et de redévelopper tout ça au niveau professionnel. Ils le font déjà au niveau associatif. Je ne me suis jamais penché sur le fameux code de la piraterie et de l'existence de ce code ou pas. Existe-t-il un code de conduite de la piraterie ? Alors, les archives en parlent. Oxmelin en parle régulièrement dans son livre. On connaît celui de Bartholomew Roberts. Après, la source exacte, typique, voilà, moi, je ne l'ai pas. On connaît par contre tous les grandes lignes, c'est-à-dire, et d'ailleurs, dans les grandes lignes, on a des points qui sont réellement connus et attestés par l'archéologie. On peut peut-être s'échapper et discuter justement de ces points-là. On parle souvent du partage du butin. Le partage du butin, ouais, en fonction du grade, ça c'est une certitude, et en fonction aussi des blessures qui ont été subi par l'équipage au cours de l'abordage qui a permis d'accéder au butin. Aussi plus généralement. Et c'est quelque chose qui est récurrent dans les épaves, pour le coup, pirates qui ont été découvertes. Et c'est ce qu'on a observé aussi sur le speaker. On découvre des petits, alors que ce soit sur Queen Anne's Revenge, Louis Dagali, ou également sur le speaker, des petits lingots en or qui ont peut-être été recoulés, refondus, peu importe, et qui sont découpés au couteau. Assez nettement, pour le partage du butin. On a également, sur Louis Dagali et Queen Anne's Revenge, des bijoux africains, donc liés évidemment à la traite, cassés, concassés en or, et qui sont aussi découverts pour vocation à être partagés entre l'équipage. Donc ça, c'est vraiment, moi, c'est ce que je préfère, en fait. C'est partir de toutes ces idées préconçues sur les pirates et amener des fondements historiques, certes, mais quand on a les vestiges archéologiques, c'est génial. On a cette histoire de John King, un gamin, un mousse, qui vient, tu connais l'histoire, puisqu'elle est dans mon petit livre sur Barbe Grise et sur les pirates, livre pour enfants. On a ce John King qui fait partie de l'équipage de Louis Dagali, donc sous le capitanat de Samuel Bellamy. On dit qu'il a 10, 11 ans, c'est attesté dans les écrits, dans les comptes rendus d'équipage, etc. Réalité ou fiction, des mousses à cette période-là, chez les marins, il y en a des tonnes, chez les pirates, pourquoi pas. Et là, l'archéologie, lorsqu'ils ont découvert l'épave, ils ont trouvé un bout de tibia d'enfant et une chaussure d'enfant et une chaussette d'enfant. Tout ça dans le même contexte. Il y avait un gamin dans l'équipage. C'est quand même assez chouette. Donc là, on arrive à associer une découverte archéologique à une histoire qui a amené tant de fantasmes, le Jim Hawkins de l'île au trésor, etc., grâce à l'archéologie. Donc c'est quand même assez chouette. On a une question. Alors, c'est rigolo parce qu'il n'y a pas très très longtemps, on avait reçu deux auteurs de BD pour La République du Crâne. J'ai suivi Et donc, on a l'auteur qui a une vision très assumée d'un point de vue politique aussi, et qui le revendique d'ailleurs dès le début de la BD pour essayer de désamorcer un petit peu les critiques qu'on pourrait lui faire, et qui donc s'inspirait
d'un type, Marcus Rediker, qui a travaillé sur la piraterie. Alors du coup, qu'est-ce que tu en penses un petit peu de tes travaux à Marcus Rediker ? Donc déjà, Marcus Rediker, c'est un historien, anthropologue social aussi, américain, qui a travaillé beaucoup sur l'histoire de l'âge d'or de la piraterie. J'ai pas lu tous ses travaux, j'en ai lu certains. Bon, ils sont quand même relativement décriés, puisque quand même, l'objectif... je perds ma voix. Il est temps peut-être. l'objectif étant justement de mettre en place cette histoire de communauté, communauté pirate, égalitaire, etc. Nous, ce qu'on perçoit à travers les textes et puis aussi l'archéologie et puis le monde maritime à l'époque, c'est que la hiérarchie, elle reste là en fait. Elle est quand même présente. Et on le voit notamment sur un. Je vais vous expliquer. À travers un manuscrit que Marcus Rediker ne connaît sûrement pas, qui est un manuscrit de Sir Robert, édité en 1730 sur la description de l'île de Madagascar, et qui a une partie sur la piraterie à Madagascar, et qui évoque justement l'installation terrestre des pirates sur la côte est de Madagascar, à Sainte-Marie, mais aussi à Port-de-Fin. Et il explique l'installation de ces pirates dans des cabanes fortifiées avec des échelles. Il explique d'ailleurs très bien là. C'est vraiment un compte-rendu d'espionnage hein, de cet officier français qui a été fait prisonnier. Et sur une des cahutes, on a une hiérarchie qui est installée avec le drapeau du capitaine pirate qui est en place. Ce qui montre quand même que ce soit à bord des équipages, mais également à terre, sur des campements éphémères, qu'on a cette hiérarchie qui est respectée. Et que ce côté égalitaire... Ce côté, bon, on va abolir tous les esclaves, etc., on va les intégrer à l'équipage, ça a existé peut-être, partiellement, sûrement, mais je peux vous dire que dans les textes, on a surtout des pirates qui profitent de la traite négrière, parce que c'est lucratif. Et on le voit à Sainte-Marie, ça a servi de comptoir, et on a un texte d'ailleurs du gouverneur de l'île de la Réunion lorsqu'il propose l'amnistie à Christopher Condant en 1720, il lui demande, il atteste la présence de tant de pirates et de tant d'esclaves, et il atteste le rendu de ces esclaves, etc. Et donc, on sait que ces pirates ont exploité un peu le filon d'or, je m'excuse pour cette expression, mais en lien d'ailleurs avec les locaux, avec les indigènes malgaches, puisque c'était pour se faire un maximum d'argent. Donc, cette société égalitaire où on a... César, le sergent de barbe noire, ancien esclave, qui a été aboli, etc. Oui, oui, on a des exemples. On a aussi beaucoup, beaucoup de contre-exemples. Les pirates étaient actifs dans la traite négrière. Et on a des vestiges qui en font la preuve avec la présence de manilles, de ces bracelets qui étaient mis à la cheville ou au poignet, qui sont en bronze et qui servent de monnaie d'échange pour la traite. Donc on a des éléments tangibles, et regardez les bijoux à Caen, hein, de la côte ouest d'Afrique, la fameuse Côte d'Or, etc., où on a des restes qui sont partagés entre l'équipage. Donc on a quand même, nous, en archéologie, de gros sons de cloche qui vont vers ça, et également aussi côté historique, parce qu'on a des faits. Donc, moi, je suis plutôt sur une position intermédiaire, je suis pas aussi radical. Et la présence de Libertalia, là je rappelle, je suis un petit peu plus pour mon collègue historien Alexandre Audard, qui a publié l'année dernière son livre Libertalia, une république des pirates à Madagascar, aux éditions Hémisphère, et qui fait le point sur le mythe de Libertalia, qui est assez d'accord avec moi, il faut arrêter dans cette politisation aussi de la piraterie, ce côté libertaire, tu as commencé par parler de ça. Oui, alors je suis pas complètement convaincu que tout le monde avait une égalité. On le voit dans les récits, etc. Le capitaine, il a son mot à dire, le quartier maître aussi. Et après, bah, c'est une question de hiérarchie, même si tout le monde peut avoir son mot à dire. Il y a quand même une hiérarchie dans la liberté. On a une question sur la différence de climat qu'il peut y avoir éventuellement entre les Caraïbes et l'océan Indien. Est-ce que ça joue sur la conservation des traces archéologiques ? En termes de climat, c'est pareil.
il n'y a pas de différence. Et donc, en termes de conservation, on a les saisons des pluies, on a le côté très humide, très chaud. Tu connais la Martinique. Moi, je suis allé l'année dernière en Martinique, au mois de juillet. Je me suis retrouvé en novembre à Maurice. Évidemment, la saison n'est pas la même, hein. Mais j'ai avancé dans le temps, c'est tout. Mais on a le même temps, le même type de climat très chaud, très humide. La Guyane, c'est pareil, c'est l'horreur absolue. Donc pour la conservation des objets, c'est pas tip top, c'est vrai. Et puis il faut imaginer que plus on travaille sur le littoral, plus c'est complexe, puisque là on a des objets qui vont encore plus s'altérer à cause du côté salin. Donc les bois, évidemment. En milieu très humide sous l'eau vont être conservés. Les objets, globalement, oui. Mais alors après, quand ils sont sortis de l'eau, là, c'est extrêmement compliqué. On a un traitement, mais qu'on connaît en Bretagne, hein. Un traitement qui doit être mis en place sur une année complète avec des bains de désalinisation pour retirer le sel qui est complètement incrusté dans les objets. Tout type d'objet, d'ailleurs. Donc, on a des bains, d'abord d'eau salée, et puis après, on dessale. C'est-à-dire, on met de l'eau douce au fur et à mesure jusqu'à avoir des bains d'eau douce. Et puis, le sel complètement rejeté. Je vais vous donner un exemple. On a étudié donc des objets qui venaient des l'épave du supposé Fiery Dragon, l'épave qui aurait été sabordée par Christopher Condon en 1721, dans la baie d'Ambodifotatra. Donc, les objets sont conservés au musée. On les a étudiés. Il y avait des objets qui étaient blancs comme neige, avec une pellicule complète de sel. Des objets qui datent de 2010. Donc le traitement n'avait pas été fait ou pas bien fait. Et de ce fait, l'objet, vous faites ça, il casse en 2 secondes. Donc c'est extrêmement mauvais, parce que ça altère. Et en fait, le sel vraiment rentre en profondeur. Donc dans les objets avec beaucoup de masse, par exemple un canon, c'est 1 an de traitement. Alors que pour un tesson de céramique, ça va être peut-être beaucoup moins long. Donc on a vraiment un travail qui doit être fait. Donc quand on travaille sur les épaves, quand on étudie les épaves et qu'on sort des objets, il faut avoir ce traitement en tête. Sinon, c'est pas la peine. On va détruire les vestiges. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des musées de la piraterie ou est-ce que ils se confondent avec d'autres types de musées? Je dis ça au hasard parce que j'ai travaillé avec le musée de la marine il n'y a pas très longtemps. Mais alors, il y a des musées maritimes, musées de la marine qui évoquent la période pirate et corsaire. Évidemment, c'est intéressant, c'est vendeur, ça a réellement existé. On a le musée national d'histoire de l'île Maurice qui est à Mahébourg, au sud-est de l'île, pas très loin de l'aéroport, qui gagne vraiment à être visité, puisque sont conservés tous les objets du speaker et sont mis en vitrine, deux belles vitrines d'objets vraiment incroyables. En plus, on a tous les objets issus de la période Surcouf, etc. Donc c'est un musée qui est totalement qui est un petit musée dans une très belle bâtisse du XVIIIe siècle, avec des beaux parquets, des anciennes vitrines, enfin tout le charme. On a des octans partout, des tortues. Il a un mélange aussi un peu de musée d'histoire naturelle, mais c'est vraiment un musée d'archéologie et essentiellement tourné sur les objets issus des épaves. Donc je vous le conseille vraiment. Il n'est pas affiché comme musée de piraterie, mais il est vraiment lié à l'histoire de l'île et l'histoire de la piraterie. Après, on a un autre musée, mais je n'ai pas envie d'en parler, puisque c'est lié au problème de ces équipes américaines et du Ouida Galley. Donc, il est à Cape Cod, Massachusetts, hein, c'est le Ouida Pirate Museum. C'est le seul musée affiché comme étant un musée pirate, avec des objets qui n'ont jamais été étudiés ou qui n'ont jamais été publiés et mis en avant, et qui sont par contre dans les collections que le public peut voir. C'est un musée que j'aimerais visiter, évidemment, mais trop décrié. Pour moi, des musées, des objets qui sont exposés, issus de sites archéologiques, ils doivent être étudiés avant. Je veux dire, ou alors ils doivent faire l'objet d'études. Et c'est pas le cas, ce musée verrouille totalement. Nous, quand on a monté notre projet et notamment publié notre livre, hein, donc archéologie de la piraterie, en novembre 2019, on avait contacté ce musée pour essayer d'avoir des informations, on n'a jamais eu de réponse. Et la personne qui a intégré tous ces objets archéologiques était partiellement poursuivi, enfin c'est très décrié, voilà, pour ne pas le nommer Barry Clifford. Il est persona non grata à Madagascar, il aurait découvert le Santa Maria, il est décrié aussi pour son travail sur l'Ouida Galley.
Je pense qu'il a voulu bien faire au départ, mais bon, voilà. En tout cas, scientifiquement parlant, derrière, ça n'a pas suivi. Il n'y a pas de rapport, il y a très peu de publications scientifiques. C'est que un catalogue d'expos sur ce musée qui est intéressant. Mais bon, quand on a des objets qui sont mis en avant, moi, j'aimerais bien que des spécialistes travaillent dessus et ou en tout cas que les travaux soient communiqués. Et c'est pas le cas. Donc, il y a un vrai verrouillage là-dessus. Donc, oui, après, il y a un musée qui est marrant, c'est le musée de Nassau. On n'a pas parlé de Nassau aux Caraïbes, ou qui est un musée de la piraterie. Il y a aussi un musée de la piraterie à Tananarive, à Madagascar. Mais tout ça, c'est un peu, entre guillemets, folklorique. On n'a pas d'objets archéologiques associés. C'est plus sur l'histoire. On a des fresques, on a des bateaux. C'est assez ludique. Voilà. Mais des musées archéologiques, vraiment archéologique de la piraterie, il n'en existe pas et il n'y en a pas en France. Après, il y a le musée de Saint-Malo, qui, je crois, est fermé, mais qui devrait prochainement réouvrir et qui conserve toutes les collections de la Natière, des deux épaves de la Natière, et qui seront présentées au public, qui avaient déjà été présentées. Et là, pareil, c'est incroyable. Ça, il faut absolument aller visiter la ville de Saint-Malo et puis ses remparts et ses pubs, et c'est, hein, parce que... Évidemment, c'est pub. Mais voilà, c'est génial. Et puis, une association d'archéologie qui s'appelle l'Adramar, qui est formidable. On travaille un petit peu avec eux sur le sujet de la piraterie, en médiation, etc. Et qui sont vraiment... qui font un travail auprès des écoles, qui fouillent aussi, notamment, qui sortent d'une fouille d'épaves au mois de juin, là. Donc, il y a un travail actif. Et en plus, ils sont, je crois... Quai des Corsaires. J'ai plus l'adresse exacte, mais voilà, on ne peut qu'aller les rencontrer. Aller à Saint-Malo, c'est beau, c'est bien, c'est intéressant. Et en plus, pas très très loin, à Dinan, il y a la fête des remparts assez régulièrement. Très très beau festival, donc n'hésitez pas à y aller si vous passez dans le coin. On a une question concernant le... Tout à l'heure, tu nous parlais donc de ces bases, temporaires ou non, de pirates, où on sortait les bateaux de l'eau pour les réparer. On a quelqu'un qui nous demande, mais comment il fait pour caréner correctement alors que les essences de bois des îles n'étaient pas les mêmes que celles utilisées pour les bateaux européens de l'époque. Je pense qu'ils faisaient avec ce qu'ils pouvaient, parce qu'ils n'avaient pas trop le choix. Donc quand il y a une voie d'eau, ils réparent avec le bois local. Ça, c'est une évidence. D'ailleurs, on a vu des choses qui sont intéressantes. Ça, c'est les guides qui étaient aussi sur place, qui nous ont accompagnés, et puis aussi Ludovic, qui est explorateur, Ludovic Iba, et qui nous a fait remarquer, et Alexandre aussi, la présence de manguiers, d'essences qui ne sont pas du tout endémiques à l'île Sainte-Marie. Donc on suppose, pour l'instant, ce n'était pas du tout l'objet de notre travail dans un premier temps, mais on suppose qu'il y a eu des implantations aussi de flore et d'espèces venant d'Europe ou d'autres continents, d'autres parties, peut-être des Antilles ou d'ailleurs, qui ont été implantés dans ces zones-là. Donc ça, c'est un travail qui est incroyable, qui amènerait aussi beaucoup de problématiques de recherche. Question très terre-à-terre, un canon, c'est quand même super lourd, comment on fait pour le sortir de la flotte ? On utilise des parachutes, c'est-à-dire que des parachutes gonflés d'air et qui montent d'un coup pour soulever le canon. Mais soulever le canon et le sortir de l'eau, certes, après il faut le treuiller ou soit le transporter jusqu'au bord, soit avec un treuil sur un navire qui est adapté, évidemment. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, si on sort un canon dans le cadre d'une recherche archéologique, il faut avoir déjà le financement, ça coûte entre 8 et 10 000 euros à restaurer. Parce que sinon, votre canon, il va mourir, hein, il va gonfler, vous n'en faites rien. Et de deux, il faut ces fameux bassins de traitement. Donc, il faut aller amener le canon dans cette grande baignoire. Et là, la tâche n'est pas aisée non plus, parce qu'en termes de logistique, c'est complexe. Donc, il faut un suivi derrière, c'est obligatoire. On a eu quelques discussions dans le chat, là, un peu animées. Tout à l'heure, tu nous as parlé des boucaniers, des flibustiers, on a parlé des pirates. Évidemment, il y a tout le monde qui s'écharpe sur le corsaire. Ah, le corsaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le corsaire, c'est ça ? C'est ça. Tout le monde a un peu la réponse. Le corsaire, c'est un pirate avalisé par le royaume qui avec lequel il travaille. Voilà. Donc, déjà, avant tout, ce sont des marins. Corsaires, pirates, flibustiers, ce sont des marins. Il a une lettre de marque, le corsaire. Donc, il est coopté. Il ne peut pas être
poursuivi, il a le droit de mener ses attaques. Après, de manière plus ou moins légale, mais il y avait aussi beaucoup de contrebande. Hein. On avait le jeu des drapeaux, hein, c'est-à-dire afficher un faux pavillon anglais, français, en fait, c'était des pirates. Il y a tout ce jeu de dupes qu'on n'a pas évoqué, mais qui est extrêmement intéressant, que la littérature, notamment les bandes dessinées, évoque. Donc, là-dessus, on a pas mal de choses à évoquer, c'est sûr. Tout à l'heure, pour revenir un peu à ces fouilles donc sur l'île, est-ce que là-bas, la législation est sensiblement la même en France pour ce qui est des fouilles préventives, entendre par là. Il n'y a pas de fouilles préventives. D'accord. Donc, s'il y a un projet immobilier. Il n'y a pas de fouilles archéologiques à Madagascar. Il n'y a rien. Imaginez, déjà, c'est compliqué donc, sur place. Donc, non, on ne va pas surtout pas ralentir les aménagements du territoire. Non, il n'y a pas de politique d'archéologie préventive, de sauvetage, de taxes, etc. Non. Un navire, ça coûte cher. Comment est-ce qu'ils faisaient pour avoir un navire, ces pirates? Est-ce que, vu le prix du bordel, je cite la question. Déjà, ils naviguaient dans un premier temps, parce qu'avant, quand un pirate se lance, il n'a pas forcément une frégate. Hein, il se lance déjà avec un plus petit bateau, ce qu'on appelle les sloops ou les brigantins. Et puis derrière, il va essayer de prendre des plus gros navires. Et très souvent, en fait, il coule le navire qui lui sert plus à rien, ou alors il le conserve et il met son quartier maître dessus. Et puis derrière, il récupère le beau bateau, la belle frégate avec tous les canons. Et généralement, d'ailleurs, ça on le voit en archéologie, le pirate réarme. C'est-à-dire qu'il rajoute des canons. En plus, il essaye. Alors, il rajoute des pierriers. Alors, les pierriers, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ce sont des petits canons de bord qui permettent de tirer pendant l'abordage, qui sont soit sur affût, donc ce qui est le chariot roulant, soit qui sont greffés sur la balustrade et qui permettent de tirer sur une faible distance. Donc, généralement, il réarme. D'ailleurs, on le voit hein, dans Johnson ou dans d'autres écrits, on a un réarmement. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que quand il y a une épave pirate qui est découverte, testée, on a différentes origines des canons. On va pas avoir que des canons anglais, on va avoir des canons français, anglais, hollandais, etc. Donc ça, c'est plutôt chouette. On a pas mal de questions sur le jeu vidéo. Est-ce que tu joues un petit peu, toi? Non, je suis pas joueur. J'ai pas le temps de jouer. Alors, on parle évidemment de Sea of Thieves, on parle de Black Flag. J'ai un frangin qui est fan de Assassin's Creed, qui a joué à toutes les éditions. Moi, j'ai moins le temps. Mais par contre, je trouve que ce que fait Ubisoft est admirable. Hein. Enfin, en termes de renseignement, de travail, d'ambiance, de musique. Moi, je suis vraiment un fan de musique celtique, irlandaise, notamment associée à la piraterie. J'écoutais Chieftain dans la voiture quand mon père le mettait. Et d'ailleurs, pour le documentaire qui sortira sur Arte, on a une BO géniale. Avec cette ambiance reprenant des chants irlandais, celtiques, etc. Donc, et c'est ça que j'ai bien aimé d'ailleurs pour les fans dans Black Sail. Pirates des Caraïbes, oui, bon, les thèmes, etc. sont chouettes, mais dans Black Sail, on a cette authenticité ajoutée en tant que fan de rock ou de métal à de la guitare électrique, du petit banjo, du violon. Enfin, je trouve que c'est assez chouette et moi j'aime beaucoup ces ambiances. Hein. Pour ceux qui connaissent, si j'ai joué Monkey Island, pour ceux qui connaissent. Voilà, un jeu pirate qui a 40 ans, ou 30 ans, et notamment le 2, où on a cette musique, mon frangin avait récupéré justement les musiques du jeu, qui sont assez sympas, et un autre jeu, Tropico 2, voilà, pour les vieux jeux de stratégie, voilà, où on doit bâtir sa ville pirate, voilà, j'ai un petit côté geek quand même, hein, mais sur les jeux récents, non, je travaille, je n'ai pas le temps. Et j'ai des enfants. Peut-être que tu peux nous parler justement un petit peu des ouvrages que tu as eu la chance de sortir, parce que tu nous parles du fait que tu as des enfants. Ça t'a motivé à écrire un livre pour les enfants, pour rendre accessible un petit peu tout ça? Ouais, tout à fait. Alors, ça va être un peu à l'envers, mais j'ai sorti en février dernier aux éditions ADLP, qui est notre association Archéologie de la Piraterie, qu'on a fait en auto-édition, c'est débrouillé comme des grands. On remercie d'ailleurs nos partenaires, la Dramar, des mécènes aussi privés, etc., qui nous ont aidés à le sortir.
parce que bon, on est une petite asso, hein. Nous, le but, c'est de faire du terrain, de l'archéologie, de la piraterie, donc pas forcément de faire de l'édition. Et j'ai une passion, moi, depuis gamin, c'est le dessin. Donc, j'ai sorti le tome 1, le tome 2 sortira avant la fin d'année, sur un livre qui s'adresse aux 7-10 ans, 7-12 ans, sur justement les idées reçues sur les pirates et une thématique voilà qui aborde aussi un petit peu bah regardez voilà le terrain sur lequel on a travaillé l'île Sainte-Marie. Donc le but c'est de partir de 10 idées reçues et d'expliquer un petit peu la réalité historique et archéologique à travers un bouquin ludique sur l'archéologie, voilà, le vrai faux, avec des découvertes liées aux speakers, etc. Les fameux trésors, et puis j'en monte une dernière. Voilà, une carte que j'avais réalisée pour l'archéologie de la piraterie, pour notre bouquin scientifique, et que j'ai vulgarisé avec les différentes épaves pirates qui ont été découvertes, et puis la caricature de certains pirates, voilà, que j'ai évoqué tout à l'heure, les fameuses six épaves, ben, elles sont accessibles aux enfants, le naufrage du speaker, voilà, voilà, comment ça s'est quasiment réellement passé, et puis deux petites pages, il y en aura un petit peu plus dans le prochain volume, sur l'archéologie, et sur le travail qu'on peut faire en fouille et en post-fouille. Voilà, donc vous êtes guidé en fait par Barbe Grise, qui est une espèce d'érudit, vieux pirate, justement avec tout ce qu'il faut, le crochet, le bandeau, la jambe de bois, et qui vous explique un petit peu, voilà, il est derrière moi, voilà, et qui vous explique un petit peu tout ce qu'il faut pas... comprendre ou caractériser chez les pirates, et il vous amène tout doucement vers l'histoire et l'archéologie. Donc voilà, vous pouvez le commander. Je fais un petit peu de pub, j'en profite. Vous pouvez le commander sur notre site internet. C'est le moment pub, vas-y. Voilà, vous pouvez le commander sur notre site internet archéologiedelapiraterie.fr, rubrique édition ADLP. Voilà, vous pouvez le commander. Ça arrive directement sur ma boîte mail et je vous envoie, en plus, si vous le voulez... dédicacé avec un petit dessin, le volume. Et puis sinon, vous pouvez aussi le commander sur la librairie archéologique, hein, qui est une librairie avec laquelle on est partenaire en ligne et qui est formidable. Après, on en a un peu partout. Hein. On en a déposé dans plusieurs librairies, à Saint-Malo, dans plusieurs librairies, mais aussi en France, à droite à gauche. Il y en a aussi à Paris, à Fontainebleau. Enfin, voilà. On essaie d'être diffusé, on fait tout ça nous-mêmes. Donc c'est beaucoup de boulot, l'édition. Et on est content parce que ça marche plutôt bien. Et plus ça marchera, plus on pourra sortir le tome 2 qui est déjà prêt. Donc il ne reste plus qu'à l'imprimer, ce qui coûte évidemment le plus cher. Mais voilà. Et puis sinon, bah, on a sorti aux éditions Mergoal le gros bouquin Archéologie de la piraterie en 2019. Qui fait plus de 400 pages, qui est un peu première ébauche de tout notre travail. Avant qu'on y fouille, hein, avant d'aller sur le speaker et sur l'île Sainte-Marie. Donc là, c'est aux éditions Mergoal sur le site des éditions Mergoal. Et puis, bah, en avril, on vient sortir le speaker 1702, qui a un ouvrage plus vulgarisé, plus grand public. Voilà, avec des belles photos. Pareil, on a tout fait nous-mêmes. Moi, j'ai fait le montage, une partie de l'écriture. Je vous montre quelques photos. Voilà. Accessible aussi sur notre site internet et voilà, donc à des prix relativement accessibles, hein. Donc merci pour votre soutien, parce que c'est aussi le financement de ces livres qui va nous permettre de retourner après l'année prochaine sur nos différents terrains de fouille. Donc, et je remercie évidemment Ben de nous laisser l'espace de pouvoir présenter un petit peu tout ce qu'on fait, parce que c'est une chance. Nous, on a un but dans notre travail, c'est le transmettre. Voilà. On fait vraiment ça pour vous, pour le grand public, pour la communauté scientifique aussi, et parce que c'est un kiff de chercheur. Mais vraiment, l'objectif, c'est de le partage. Donc, c'est pour ça qu'on communique beaucoup sur les réseaux sociaux et qu'on a des partenariats avec Ben aussi et d'autres qui nous permettent de toucher plus de gens. Parce que c'est pas facile, vous le savez, sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours ça. Donc je remercie encore pour ce soir. Ouais, c'est un plaisir. Est-ce qu'avant de partir, tu aurais quelques bouquins à nous conseiller aussi autour de... Oui, alors bah, en plus des nôtres, évidemment. Hein. on a a été réédité cette année le dictionnaire des corsaires et des pirates de mon collègue et ami Philippe Rodège,
et de son collègue Gilbert Buti, des universitaires aux éditions CNRS, qui est la Bible, hein, vraiment sur, qui est façon dictionnaire, mais qui est la Bible avec plein de notices sur tous les sites pirates, etc. Je rappelle Alexandre Audard, une république des pirates à Madagascar, Libertalia, interprétation d'un mythe, donc il fait le point un peu là-dessus. Et puis bah, les collègues américains, et notamment un livre qui est vraiment super chouette, sur le Queen Anne's Revenge, qui s'achète en ligne aussi, mais chez votre libraire, hein, vous pouvez le commander, il n'y a pas de souci. Ça s'appelle Blackbeard's Sunken Prize, et ça a été édité en 2018, c'est sur les pages du Queen Anne's Revenge. Merci pour cette sélection. Est-ce que tu aurais un petit mot pour conclure cette interview, quelque chose que tu voulais rajouter peut-être, qu'on n'a pas dit ? Non, on est hyper enthousiaste, on est très content en fait de pouvoir faire ce qu'on fait. En plus de notre travail, on le fait vraiment de bon cœur. Ça n'a pas toujours été simple avec la communauté scientifique, notamment en France. Hein. Les soutiens ont été un peu compliqués au début. Maintenant, ça commence à être beaucoup plus facile. Mais voilà, on fait ça vraiment parce que déjà, on est intéressé par le sujet et que on fait un travail collectif avec beaucoup de collègues qui s'investissent sur leur temps perso pour communiquer auprès du grand public, pardon. Donc voilà, on est ravi de pouvoir le faire. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, ça fait longtemps. Je l'ai formalisé à l'île Maurice durant un voyage de vacances. Et j'ai commencé à écrire les premières lignes du bouquin sur archéologie de la piraterie face à l'océan Indien. C'était assez chouette, je vous l'ajoute. Et de ce fait, c'est là où on s'est dit, tiens, c'est vraiment dommage parce que c'est une concrétisation. Ça n'existe pas en France, cette archéologie de la piraterie. Cette thématique n'est pas abordée. Pourquoi les Américains auraient le monopole? Et c'est pour ça qu'on fait des bouquins aussi rapidement. C'est pour communiquer en dehors de l'histoire et que cette archéologie-là, elle a des choses vraiment à apporter sur toutes ces caractéristiques qu'on a évoquées. On a plein d'autres sujets qu'on aurait pu traiter. L'île de la Tortue un petit peu, Nassau, pourquoi on parle pas de Nassau en archéologie? Ben parce qu'aujourd'hui, c'est presque un parc d'attraction. Donc, il n'y a pas de politique préventive, d'archéologie préventive, donc on n'a pas pu mettre en évidence cette à l'archéologie de la piraterie. On a une île qui s'appelle l'île Saint-Martin quand même, à côté de Saint-Barth, qui a livré une des premières fouilles terrestres d'archéologie de la piraterie, interprétée comme un reste de campement de population marginale, possiblement des flibustiers, à la deuxième moitié du XVIIe siècle, fouillé par l'INRAP en 2016. On a des choses hein, qui sont que vous pouvez retrouver à droite à gauche dans nos publications et sur notre site internet, voilà, archéologiedelapiraterie.fr. Et puis, dernier mot, abonnez-vous sur notre page Facebook et sur nos comptes Instagram, Archéologie de la Piraterie, parce que en fait, toutes les semaines, on est un peu comme Nota Bene, on met beaucoup de choses, on essaie de partager au maximum ce qu'on fait. Vous pouvez nous suivre sur nos missions régulièrement. Voilà, on a nos comptes qui ont vachement augmenté quand on a pu faire nos missions archéologiques, donc on est ravis. Mais voilà, on continue à nous suivre, à nous soutenir, parce que c'est comme ça qu'on pourra continuer à alimenter un petit peu nos recherches. Donc merci à tous pour votre soutien, et merci à Ben et à Nota Bene pour sa confiance. C'est un plaisir, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. À vous tous qui vous intéressez aux pirates, vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube, et puis viendra le temps aussi à un moment donné en podcast, deux épisodes qu'on a déjà fait, un en partenariat avec le musée de la marine hein, sur la vie quotidienne des pirates, et puis un autre qu'on avait fait avec le camarade de Fred d'Hérodote.com sur l'âge d'or des pirates justement. Donc vous pouvez retrouver ces épisodes là merci encore Jean de ta présence ce soir, merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve bientôt, je sais pas quand, on se tient au courant via les réseaux pour la prochaine interview. Et puis voilà, à toutes!